Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Il est anti-nouvel ordre mondial, anti-sioniste, anti-franc-maçon. Il est aussi antillais. C'est Maximus Le Clément. Maximus, bonjour, tu vas bien? Oui, salut Lou, comment vas-tu? Salut, ça va, ça va. Alors, salutations aux amis du chat, évidemment. Ouais, alors c'est-à-dire que ça commence les coupures. Ah! C'est bon, je t'entends. Tu m'entends bien? Ouais, évidemment, salut le chat. Avant de commencer, petit coup de gueule à pousser. Il y a des gens qui disent, ben, on vous regarde plus parce qu'on vous voit plus sur YouTube. Bah oui, on nous voit plus sur YouTube. Je viens de me manger encore à nouveau 15 jours de strike. Et ça fait des semaines et presque maintenant des mois que je dis aux gens que il faut migrer sur des lives, il faut migrer sur d'autres plateformes. Alors pour ceux qui ne peuvent pas regarder les directs sur des lives parce qu'ils ont une mauvaise connexion, les directs sont tous mis derrière sur la chaîne Odyssée. Mais à un moment, il faut un petit peu chambouler ses habitudes. Parce que YouTube, c'est bien joli et tout, mais on n'a plus rien le droit d'y dire. On ne peut plus s'exprimer librement sur YouTube. Et pour ceux qui ne veulent pas chambouler leurs habitudes et sortir un petit peu de leur zone de confort, eh bien, si vous voulez rester sur YouTube, restez sur YouTube. Mais vous n'entendrez et vous ne verrez que ce que YouTube vous autorise à entendre et à voir. Donc après, voilà, si vous voulez continuer à pouvoir avoir des analyses sur la pandémie, des analyses sur les vaccins, sur ça, il faut changer de plateforme. Parce qu'ici, on ne peut plus s'exprimer. YouTube décide. Je veux dire, voilà, un minimum de bon sens. Vous avez le droit de regarder des vidéos sur la Terre plate sur YouTube. Vous avez le droit de regarder des vidéos qui vous expliquent que la station ISS n'existe pas et que Thomas Pesquet, en fait, il fait le clown avec des câbles. Mais y a une grande différence entre, comment dire, un mensonge qui ne dérange pas et donc qu'on peut laisser en place, et une vérité qui dérange. Et YouTube censure les vérités qui dérangent. Donc quand on dit des trucs qui dérangent réellement le système et ce qui est en train de se passer, eh bien oui, on est censuré. Et pour pouvoir aller au-delà de ça, bah, il faut sortir des plateformes qui sont aujourd'hui, qui appartiennent aux GAFAM. Les YouTube, ça appartient aux GAFAM, ça appartient à Google. Donc il faut migrer sur d'autres petites plateformes qui sont certes moins performantes, mais en tout cas, là-bas, on peut au moins continuer à s'exprimer librement et à faire des analyses sans se brider, quoi. Ça, je veux dire, YouTube ne respecte pas la liberté d'expression. On dit rien, hein, on n'insulte pas les gens, on menace pas les gens, on dit juste ce qu'on pense, on produit des analyses et on n'a plus le droit de le faire, ça. Donc, s'il vous plaît, pour ceux qui le peuvent, faites l'effort de migrer vers d'autres plateformes. Et puis, une fois encore, pour ceux qui ne le peuvent pas et qui ne le veulent pas, parce qu'ils ne veulent pas sortir de leur zone de confort et ils se disent « Ah, ben moi, en dehors de YouTube, voilà, il n'y a rien d'autre », eh bien, restez sur YouTube. Mais vous n'écouterez et ne verrez que ce que YouTube vous autorise à entendre et voir. Voilà. Tout à fait. D'ailleurs, pour aller dans ton sens, Lou, sachez que il n'y a pas que YouTube, hein, qui se met à censurer. Maintenant, même sur Discord, puisque je viens de regarder une vidéo de Louis Fouché qui s'est fait tout simplement
censurer, dissoudre son Discord, parce que, soi-disant, il ne respectait pas les règles de la communauté. Donc, le fait de ne pas être sur YouTube, c'est pas une volonté de notre part. Moi-même, pendant un moment, je ne pouvais même plus poster de vidéos ni de live parce que les lives sautaient de manière systématique. Donc, essayez quand même de prendre en compte que la censure est d'une violence absolument extrême. Hein. Vous avez Salim Laibi qui s'est fait censurer sa chaîne, Sylvano Trotta, vous avez la chaîne Tanato TV, enfin bon, Orion Code qui ne peut absolument pas s'exprimer hein, sur YouTube. Et je pense qu'elle pourrait même venir sur YouTube et dire il pleut, elle se ferait censurer. Donc c'est d'une violence absolument terrible. Les temps sont durs, les temps sont, comment dire, ne sont pas à la liberté d'expression, contrairement à ce qu'on nous a toujours bassiné durant des années. Et on voit l'aboutissement maintenant de ce qu'a produit, je suis désolé, la République, notamment qui est l'embryon du nouvel ordre mondial. Voilà. Je te redonne la parole, Lou. Pardon, c'est ouais, il y a ça, il y a moi je suis dans là, je suis sidéré quoi, je suis sidéré de voir que bah, les journalistes jouent les comment dire les garde-fous de la bien-pensance à la télévision. Il y a je sais plus quel économiste qui est venu parler du livre Le Grand Reset de Klaus Schwab. T'as vu la journaliste qui était là toutes les 2 secondes à brandir. Attention, ça là on bascule dans la thèse complotiste. Là, on a plus voilà, le mec dit des vérités, il explique des choses, et t'as la journaliste qui est là, espèce de garde-fou de la bien-pensance qui vient systématiquement brandir cette étiquette du complotiste. Et au bout d'un moment, le mec, il lui fait, je m'en fous. C'est bon, on peut me traiter de complotiste, je m'en fous, je dis ce que j'ai à dire, et puis voilà quoi. Un autre truc qui me fout hors de moi, j'arrive pas à m'en remettre depuis que j'ai appris cette information. Je vais vous la mettre à l'écran parce que là, par contre, dans la moujonnerie, pardon pour le terme, Maximus a raison, au bout d'un moment, faut appeler les choses par leur nom. Et les Français sont devenus un mélange de moutons et de pigeons. Pigeon. Et là, maintenant, on nous fait quoi? Ben, le vaccin AstraZeneca contre une décharge. Véran saisit la haute autorité de la santé sur l'ouverture d'AstraZeneca aux volontaires. Voilà. Et donc, faut-il permettre à l'ensemble des personnes volontaires, quel que soit leur âge, de se vacciner avec AstraZeneca en toute connaissance de cause? À cette question, l'Allemagne a d'ores et déjà répondu oui. Certaines régions ont dit, quel que soit votre âge, vous pouvez recevoir de l'AstraZeneca. On vous explique les risques et vous signez une décharge, a expliqué Olivier Véran, interrogé sur France Info. Sur l'extension des injections de ce vaccin en moins de 55 ans. Donc, clairement, là, les gens se font injecter de la saloperie et en plus, ils signent une décharge comme quoi, derrière, ben, c'est de leur faute, quoi. Ils ont choisi. Là, clairement, c'est-à-dire qu'ils poussent le. Bon, après, je pense que sur ces histoires de vaccination et compagnie, on sait très bien que là, YouTube, leur curseur est extrêmement sensible. Et que, bon, bah, pour dire une simple chose, c'est que non seulement on va vous empoisonner, mais en plus, ça va se faire avec votre consentement plein et entier. Parce que c'est-à-dire qu'ils prennent vraiment les gens pour des débris cette fois-ci. Donc, bah, moi, je pense que la sélection naturelle, pour le coup, j'y suis assez favorable. Et si c'est ainsi que les choses doivent se passer, eh bien, soit. C'est tout ce que j'ai à dire. Là, ce que je vais faire peut-être, on va faire là le direct sur YouTube et sur des lives. Et puis à la fin, je ne sais pas si je le laisserai sur YouTube, parce que si c'est pour me remanger encore 15 jours de strike et puis pouvoir faire les appels à faire la migration, justement, ben je verrai. Je verrai à la fin. Mais rien que pour ce Bah, que tu viens de on dire, va, Maximus, voilà, ça pourrait déjà sauter, tu vois. Donc moi, j'en ai marre de me brider. Et YouTube, franchement, je ne vais pas tarder à lui dire au revoir, quoi. Ben, c'est sûr. On va essayer. Bon, alors là, j'ai volontairement choisi un livre dont la thématique me semble être actuelle, même si le livre est assez ancien. Il va falloir que je le présente, que je présente cet ouvrage, Le choc des civilisations. Je vais aussi le projeter dans l'époque qui est la nôtre et qui a des résonances avec ce qui se passe actuellement, notamment avec ce fameux appel des généraux, qui m'a un peu irrité. Enfin, le premier appel m'a un petit peu irrité, et je vais vous expliquer pourquoi. Dans un premier temps, qui est Samuel Huntington, d'accord? Alors, Samuel Huntington, c'était un professeur qui enseignait à Harvard, d'accord? Et en 1993, enfin, en 92 déjà, il avait
rédigé un premier article qui s'appelait d'ailleurs Le choc des civilisations, qui avait fait couler beaucoup d'encre. Et donc, il a voulu compléter cet article en écrivant cette fois-ci un livre que j'ai lu sur les conseils d'une personne très en vue aussi d'ailleurs, qui s'appelle Le choc des civilisations, dans lequel Huntington, en fait, a une théorie qui est simple, c'est qu'il répond à Francis Fukuyama. Francis Fukuyama, qui à l'époque avait dit, bon, bah, le bloc soviétique s'est effondré, c'est la fin de l'histoire, cette fois-ci c'est bon, c'est la démocratie libérale qui gagne et l'économie de marché. Mais Huntington, lui, il dit, non, pas vraiment, parce qu'il y a des blocs de civilisation et ces blocs de civilisation ont leurs propres intérêts, entre guillemets, et peuvent être en confrontation les uns avec les autres. Alors, je vais vous rappeler, je pense que je vous l'ai déjà dit, que Samuel Huntington est un membre de la trilatérale. Donc, sa vision est parfaitement alignée sur ce club qu'est la trilatérale. Et donc, il dit, certes, il y a le bloc euro-atlantique qui peut avoir plus ou moins les mêmes intérêts. Il y a le bloc musulman, le bloc sino-asiatique, dont on ne sait pas vraiment. De quel côté va pencher le Japon, puisque est-ce que le Japon va rejoindre le. Parce que Huntington, quand même, intègre le Japon et la Corée du Sud dans les blocs occidentaux, ce qui voilà, est un contresens quand même assez remarqué, quand même, quand on est un petit peu affûté. Donc, voilà ce que dit Huntington, et il dit non, il y a quand même des civilisations qui ont certaines influences. Bon, alors, liées à la religion, il y a des chrétiens, mais les chrétiens, ils sont divisés parce qu'il y a trois blocs, il y a les orthodoxes, il y a les catholiques et il y a les protestants. Donc, ils n'ont pas forcément les mêmes intérêts, de même que le bloc musulman, pareil, ils n'ont pas les mêmes intérêts, etc., etc. Et Huntington dit non, il va y avoir des confrontations de civilisations parce que finalement ces civilisations vont avoir leur jeu à jouer dans cette espèce de construction mondialiste. Voilà, ça c'est ce que nous dit Huntington in fine. Le problème c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça et la thèse a quand même pas mal vieilli quand même entre-temps, puisque même si le bloc soviétique s'est effondré, on voit quand même la réémergence aujourd'hui de la Russie sur la scène géopolitique. Et la grande oubliée du livre de Samuel Huntington, c'est l'Afrique. Pourquoi? Et là, je pense que on va essayer de converger entre ce qui se passe avec les généraux et cette géopolitique un peu à l'ancienne qu'on va un petit peu réveiller. Pourquoi on va la réveiller? Parce que dans le jeu mondialiste, cette géopolitique à l'ancienne, elle a une réalité et elle nous permettra de comprendre dans quoi on se situe aussi encore aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même important de le relever. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour Samuel Huntington, l'Afrique, c'est pas vraiment une civilisation, mais on sait que c'est un continent qui contient énormément de ressources. Il y a du cobalt, il y a du pétrole, il y a de l'or, il y a toutes sortes de minerais. Mais on a un problème avec l'Afrique, c'est qu'il faut l'empêcher de se développer. C'est une chasse gardée. Vous savez tous que, par exemple, les intérêts de la République française. Et c'est là où je vais un peu fustiger cet appel des généraux, parce qu'ils ont quand même, ces généraux, participé aux OPEX, c'est-à-dire aux opérations extérieures, qui étaient contraires aux intérêts français. Et là, je parle du peuple français, je ne parle pas de services rendus aux tenants du mondialisme, puisque la France n'est qu'un auxiliaire, on le sait maintenant, du bloc euro-atlantique, enfin, et britannique, qui doit s'aligner aussi sur les positions israéliennes. La vérité dans tout ça, c'est que si on empêche l'Afrique de se développer, on sait très bien pourquoi, c'est pour continuer d'exploiter ses ressources et ses minerais. Et un qui avait très très bien compris ça, évidemment, c'est Muammar Kadhafi. Muammar Kadhafi était parti dans l'optique de faire de l'Afrique un bloc, pour le coup, développé. Et fatalement, il allait se passer une chose absolument inévitable, c'est qu'il allait être confronté directement aux intérêts américains, à savoir, puisque ce qui était, je pense que c'est ce qui était recherché par Kadhafi, c'était évidemment de créer le dinar or, qui allait être la monnaie
refuge pour les gens qui souhaitaient peut-être mettre leur fortune à l'abri. Ça, c'était absolument pas possible d'aller contre les intérêts, entre guillemets, américains. Mais vous savez, quand on dit américain, il faut dire américanoïde ou état profond. Il faut penser comme ça, puisqu'on est dans des conjectures qui sont celles du CFR et celles de la Commission trilatérale. Donc, les intérêts sont purement mondialistes. Or, quand on empêche l'Afrique de se développer, puisque l'Afrique est une réserve, c'est une réserve de minerais, c'est une réserve de ressources, c'est une chasse gardée, donc on la maintient volontairement dans la pauvreté, ce qui fait quand même les intérêts du bloc euro-atlantique et du bloc asiatique. Parce que quand les Français débarquent, par exemple, en Afrique, ils disent oui, il faut organiser des élections parce qu'il y a une dictature, etc. Donc c'est pas bien au nom des droits de l'homme, etc. Alors que derrière, par exemple, comme c'est le cas du Mali, eh bien on protège Areva. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'uranium et que c'est une des chasses gardées de la République française. Donc là, j'ai pas entendu nos militaires dire c'est honteux ce qu'on a fait. Là, nos militaires, ils nous expliquent aujourd'hui que si la France est en déclin, je mets des guillemets pour la France, eh bien c'est à cause de l'islamo-gauchiste, de l'islamo-gauchisme, excusez-moi. Et on s'aligne sur les positions de Zemmour, qui lui, justement, active un choc des cultures à mini-échelle ou un choc des civilisations. D'accord? Donc on voit qu'ils essaient de créer une scission de plus en plus, et l'appel de ces généraux, moi, me dérange. Pourquoi ça me dérange? Parce que dans les banlieues, on a quand même un peu mieux compris comment fonctionne le mondialisme et quels sont les intérêts entre, par exemple, Israël, les États-Unis et le bloc occidental en général. Et on a très très bien compris que, beaucoup en tout cas dans les banlieues, ont compris que l'immigration qui a été nourrie, qui a été poussée et qui a été encouragée, a été volontairement alimentée pour justement affaiblir la comment dire, le droit d'expression, principalement, et d'expression pour le coup géopolitique du peuple français. Voilà. Donc on a maintenant on nous déplace le braquet vers les banlieues, les cités, les Noirs et les Arabes, d'accord? Qui sont, paraît-il, maintenant devenus le problème numéro un de la République, oui, de la République française, certes, mais pas de la France. Ça, c'est clair et net. Donc, on est quand même dans une espèce d'escroquerie manifeste qui est alimentée aujourd'hui et que moi, je considère comme très dangereuse. Et c'est pour ça que je fais ce conseil de lecture pour remettre un petit peu les choses à l'endroit et pour fustiger ces généraux qui, justement, ont cautionné tous les abandons de souveraineté, la disparition du franc, la mise en place de l'euro, les signatures de Maastricht, les signatures du traité de Nice, de Lisbonne, qui ont participé aux opérations de destruction des Balkans. Je suis désolé, c'est une honte, parce que la Serbie était un allié naturel de la France, donc il fallait protéger la Serbie et plutôt se rapprocher du bloc orthodoxe, qui n'a pas été fait. Au lieu de ça, on s'est rapproché du bloc anglo-protestant, comment dire, américanoïde. Donc ça va complètement à l'encontre des intérêts des peuples en général, y compris du peuple français, mais par contre qui assure un renforcement des forces du mondialisme. D'accord? Et ça, c'était quand même important de le dire. Et Israël aussi trouve son intérêt là-dedans pour la simple et bonne raison que les États-Unis sont le bras armé d'Israël, okay, dans la région du Moyen-Orient. Ce qui explique pourquoi les États arabes ne peuvent pas se développer. Et je parle de l'Égypte, je parle de la Jordanie, je parle du Liban. C'est catastrophique, le Liban, etc. Et on voit effectivement derrière ce jeu qui veut s'arroger la puissance sur le contrôle des ressources, notamment c'est pour ça que l'Afrique reste à la traîne, où comment dire, les présidents africains, alors sont tous initiés plus ou moins à la Grande Loge nationale de France pour certains, certains sont rattachés au Grand Orient, très peu d'ailleurs, et que cette Afrique reste au ras des pâquerettes sur le plan économique et du développement pour effectivement permettre la prospérité des États-Unis. Comment dire, de l'Europe et de l'Asie. Voilà. Je vais te laisser parler, Lou, j'ai beaucoup parlé, donc si tu veux apporter. Non, c'est extrêmement intéressant, surtout que ça rejoint ce que je pense, ça rejoint l'analyse aussi qu'a fait Monsieur K. Et j'étais en train de me dire que un samedi, peut-être, ce serait bien d'essayer de réunir toute l'équipe, donc toi, Monsieur K, Marilyn, et puis qu'on fasse un direct tous ensemble autour de ce sujet, peut-être. Mais en tout cas, oui, je te laisse poursuivre et ça rejoint exactement ce que disait Monsieur K, sauf que là, tu rentres encore un peu plus loin dans l'historique, quoi.
Bah, moi, je rejoins, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Kerr. Je pense qu'on va faire des analyses plus ou moins communes, même si on ne s'est pas co concerté. Mais quand on voit aujourd'hui un Zemmour qui, pratiquement à chaque intervention télévisuelle ou médiatique, nous explique que ce qui met le pays en péril, c'est l'islamo-gauchisme et les banlieues, ça ne passe plus. Ça ne passe plus, et qui est des généraux, si tu veux, qui est signé une tribune en disant il faut absolument reprendre le contrôle. Et je pense au général Richouf qui nous explique que la menace vient des banlieues, mais c'est du grand foutage de gueule, parce que quand on voit quand même l'arsenal qui a été déployé contre les gilets jaunes en manifestation, demain la République, si elle veut reprendre les quartiers, elle les reprend sans aucun problème, hein. On arrête les fauteurs de troubles, on envoie les services sociaux et fiscaux redresser tout le monde et vérifier que tout le monde soit bien en règle, etc. Et les banlieues deviennent aussi paisibles que des petits villages de campagne. C'est vraiment se moquer du monde que nous expliquer que la menace, c'est 4 excités ou 40 excités, même d'ailleurs, qui sont dans des trafics et qui mettent en péril le pays. C'est vraiment, je ne sais même pas comment on peut croire une fable pareille. Par contre, en l'occurrence, la menace, tu parlais tout à l'heure de Schwab ou, comment dire, moi j'ai parlé des abandons de souveraineté et des trahisons successives. Je rappelle quand même que c'est Sarkozy quand même qui a retiré le crime de haute trahison comme de la Constitution. C'est pas des musulmans quand Exact, même, d'accord? exact. C'est pas des musulmans qui ont fait ça. Ceux qui imposent le couvre-feu, qui imposent comment dire, les attestations de sortie, les confinements et La destruction des petits commerces. tout côté absurde, c'est pas des musulmans, dernière nouvelle, hein, ceux qui appellent. Moi, je vois, c'est plutôt des Karine Lacombe, c'est Jérôme Salomon, c'est Monsieur Véran. Ils sont pas musulmans, ces gens-là. Donc moi, j'ai envie de dire à Monsieur Zemmour et à tous ces généraux, où est-ce que vous êtes, messieurs les généraux, vous êtes où là? Quand on a cassé la Serbie et quand on a détruit l'allié naturel, où est-ce que vous étiez? Vous étiez dans des OPEX, les mecs. Vous étiez sur le terrain en train de bombarder des alliés naturels. Et vous avez gardé le petit doigt sur la couture du pantalon. Et aujourd'hui, vous nous expliquez que la menace est à l'intérieur. Mais je vous rejoins entièrement. La menace est à l'intérieur, mais elle n'est pas dans les banlieues. Elle est à l'Élysée, les amis. Donc si vous voulez faire quelque chose, les militaires, vous avez de quoi faire. Ça, sans problème, j'ai pas besoin de vous dire quoi faire, vous avez très très bien compris, d'accord? Parce que la République moujonnière, maçonnique, pédocriminelle de France, il y aurait peut-être un sacré ménage à faire, messieurs les militaires. Je vous le dis comme ça, moi je ne dis rien, d'accord? Les pédocriminels qui sont sur les plateaux de télé et qui nous font la leçon, ou qui vont après manger dans des restaurants clandestins et qui nous disent restez chez vous parce que il y a un risque monumental de diffuser je ne sais quoi, quel virus. Et pendant ce temps-là, eux-mêmes s'octroient des privilèges et des plaisirs qu'ils interdisent au peuple. Je pense, messieurs les généraux, qu'il va peut-être falloir revoir votre logiciel de l'urgence, en tout cas, de l'urgence qu'il est sur ce pays. Je ne dis pas, par contre, qu'il n'y a pas des choses à régler dans les banlieues. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un certain ménage à faire et qu'il n'y a pas deux, trois loustics qu'il faudrait peut-être freiner. Et que peut-être que, ça c'est clair, il y a des endroits où il faut rétablir l'ordre. Mais depuis quand la République qui sait faire usage de la force sur des infirmières, sur des manifestants pacifiques, sur des gilets jaunes, hein, et qui est capable de tirer au LBD, qui est capable de sortir les canons à eau, hein, et qui est capable d'envoyer des gaz et de nasser, n'est pas capable de remettre de l'ordre dans les banlieues? Mais qu'est-ce que c'est que ce foutage de gueule? Qu'est-ce que c'est que cette... Mais de qui se Bah, moque-t-on? c'est ce que tu décris, Maxime. C'est un choc de civilisation qui est souhaité. Moi, je vous garantis que là, arrivé au mois de juin, à la mise en place du pass sanitaire, vous allez voir que, comme le disait Monsieur K, là, on va changer de scénario. Là, on va revenir sur la menace islamiste. On va revenir sur les problèmes en banlieue. Et je peux même vous dire que pendant cette période aussi, la DT. Les dits complotistes, hein, survivalistes, complotistes et tout ça, vont être aussi, eux, extrêmement ciblés. Et tout ça va passer par préparation psychologique, par le biais des médias. Donc on va s'en bouffer. On va se rebouffer certainement des attentats, là. On va se manger peut-être même des centres de vaccination qui vont être attaqués. Et tout ça va servir tout simplement à formater l'opinion publique pour pouvoir permettre
cette intervention dans les banlieues sous un prétexte sécuritaire. Et je pourrais même vous donner la suite du scénario derrière. Après, on passe à la dictature écologique. Donc, il y aura peut-être même une belle grosse catastrophe écologique qui arrivera à point nommé pour pouvoir continuer Mais le scénario. je rebondis sur ce que dit Cré l'Ancien. Oui, absolument, ils sont allés faire la guerre à l'Irak et à la Syrie. D'ailleurs, on se rappelle des embargos sur l'Irak qui faisaient crever les gamins et on interdisait même les mines de graphite, de crayons, hein. Les militaires, ils disaient quoi à ce moment-là? Ah, les militaires qui sont partis faire des opérations absolument abjectes pour le compte comment dire, des intérêts mondialistes, on les a pas entendus. Ils ont tous fermé leur gueule, les militaires. Et aujourd'hui, ils nous expliquent que c'est la banlieue le problème. Mais putain, mais merde, si on n'avait pas détruit d'abord le tissu social-économique comme on le fait aujourd'hui, si on n'avait pas détruit l'instruction et l'école, si on avait laissé, comment dire, l'enseignement scolaire faire le travail de connaissance qu'il était bon de délivrer justement dans les quartiers, parce que moi je viens d'une génération où il y avait encore de l'enseignement scolaire, et il y avait plein, moi, mes amis qui étaient de la Réunion, qui étaient du Maghreb, qui étaient d'un peu partout, ils aimaient les mêmes choses que moi, ils avaient la même culture que moi, ils aimaient Chateaubriand, ils lisaient les mêmes livres, ils baignaient dans plus ou moins dans la même culture. Alors c'est vrai que certains, ben, ils étaient musulmans, ils faisaient Ramadan, etc., etc., mais ça les empêchait pas d'avoir des livres de comment dire, des grands auteurs français à la maison et d'apprécier cette littérature-là. Donc je sais pas où on veut en venir, c'est-à-dire qu'on a déscolarisé, on a volontairement paupériser les banlieues où on a fait croire que les banlieues avaient besoin de terrain de basket, d'aide sociale à gogo, d'être mis sous perfusion. Et puis bah d'ailleurs les couvre-feux, je suis désolé, mais les banlieues, ils ont connu les couvre-feux bien avant que les couvre-feux officiels existent aujourd'hui. Donc c'est pas que je veux défendre absolument la banlieue ou quoi que ce soit, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas excusables. Et certains vont me dire, ouais, Maximus, c'est un islamo-gauchiste. Je ne suis pas un islamo-gauchiste, les amis. Moi, je suis personnellement, vous connaissez mon amour de la République et vous savez que mon cœur penche plutôt vers une restauration, vous voyez ce que je veux dire, soit nationale ou même monarchique même, j'y serais pas hostile. Et je pense qu'effectivement, la République n'a fait que dégrader les individus, quels qu'ils soient, que ce soit les Français, que ce soit les gens issus de l'immigration et tous les autres. Alors que monarchie aurait tendance à élever entre guillemets, bah pour le coup, on va dire, ces sujets, et c'est pas malheureusement, comment dire, péjoratif, parce que ça aurait permis aussi aux militaires de retrouver leur honneur. Parce que pour le moment, l'honneur de l'armée, je suis désolé, il est un petit peu perdu quand même. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. L'armée a laissé faire quand même. Les militaires ont laissé faire. On laissé faire. Et sont aussi responsables de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Ils sont responsables par leur silence et parce qu'ils ont obéi. Ils sont responsables. Je suis désolé, depuis Hollande, et Sarkozy et Macron, c'est une catastrophe. C'est terrifiant ce qui se passe. D'accord? Et si le continent africain aujourd'hui en est à plus ou moins à essayer de trouver une forme d'émancipation à travers le panafricanisme, essayer de retrouver un petit peu de dignité aussi, ce n'est pas anodin. Parce que la France n'est plus la France. La France est devenue une république judéo-maçonnique et c'est une catastrophe, d'accord? Et pour l'instant, l'armée n'a pas bougé. D'ailleurs, certains généraux doivent être des initiés, doivent être des initiés de loge. Et on comprend aussi pourquoi, effectivement, tout a été approuvé. Merci beaucoup à l'armée. Mais si vous voulez vraiment rendre service à votre pays, messieurs les militaires, il serait temps, évidemment, de parler de Davos, de dénoncer ce qui est en train de se passer à travers cette, entre guillemets, crise à visage sanitaire. Mais donc là, vous seriez véritablement des hommes d'honneur si vous le faisiez. Mais laissez dans un premier temps les banlieues là comme elles sont. Je peux vous assurer que moi qui circule un peu, les banlieues sont, entre guillemets, majoritairement calmes par rapport à la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et croyez-moi, il y aurait de quoi s'agiter, très honnêtement. Et ça, je peux le comprendre. Ouais, bah alors, leur objectif, hein, on le connaît dans leur devise, l'ordo ab chaos, et là, ils sont en train de semer un chaos vraiment, vraiment hallucinant. Tout ça, c'est évidemment en prévision des élections de 2022. Et de toute façon, vous le savez maintenant, vous avez l'habitude, dès qu'on approche d'élections, qu'est-ce qu'il y a?
systématiquement des attentats. Voilà. Donc les gentils terroristes, je dis gentils parce que bon, ils ont quand même bien respecté la pandémie dans l'ensemble, hein. Une petite piqûre de rappel à droite à gauche, histoire que les gens n'oublient pas. Mais ils ont bien respecté les confinements. Ils ont bien voilà les terroristes n'attaquaient pas pendant cette période parce que ben ça faisait pas trop partie du scénario à ce moment-là. Alors comme je vous l'ai dit, il y a eu ces petites piqûres de rappel à droite à gauche. Il y a eu ce professeur qui a perdu la tête là. Mais voilà, il y a pas eu, on va dire, de gros attentats. Eh bien là, actuellement, c'est en train de revenir petit à petit dans le discours médiatique. Je veux dire, rien n'est dû au hasard. Ça, je comprends pas encore qu'il y a des gens qui n'ont pas capté que ce que les médias choisissent de diffuser, et les médias ont choisi de diffuser cette lettre, c'est de la préparation psychologique. C'est vraiment pour amener les gens là où ils souhaitent les amener. C'est les médias qui vont décider de ce contre quoi on doit s'offusquer, ce qui doit nous révolter, et tout ça à chaque fois de manière assez vicelarde, puisque en même temps ils font croire qu'ils sont pas d'accord, mais ils connaissent cet effet. Ils font croire qu'ils sont pas d'accord, mais ils propagent l'information quand même. Et au niveau de l'opinion publique, ben qu'est-ce qui se passe? Ça se scinde, ça se coupe en deux, et ça nous divise encore. Et on s'oppose les uns aux autres. Et puis il y a ceux qui considèrent que ben, à grand matraquage idéologique, au bout d'un moment, il y en a qui vont réellement considérer que ben, le plus gros problème de la France actuellement, c'est les banlieues. Voilà, c'est les banlieues et enfin, voilà. Moi, je te dis, en ce moment-là, je suis épuisé, Maximus, et surtout, je suis navré de voir le bon terme, hein, c'est ça, désolé d'utiliser ce mot-là une fois de plus, mais c'est la naïveté. De voir la naïveté des gens et de pas les voir réussir à relier les choses entre eux. Pour eux, ils continuent à s'imaginer qu'il y a quelque chose derrière les médias qui est de l'ordre de, comment dire, du partial. Les médias font leur travail. Ils balancent les informations. Bah oui, ils font du travail. Ils balancent les informations, mais ils choisissent les informations qu'ils balancent. J'en parlais hier soir, je sais plus dans quel direct. Ces 300 000 tests PCR qui étaient déjà positifs. Qui était déjà positif avant d'être utilisé. Il y en a bien d'autres, mais si on prend juste ces 300 000, c'est pas rien. Ça, c'est une information qui devrait faire la une des médias. Et évidemment, si cette information fait la une des médias demain, comme quoi il y avait 300 000 tests PCR qui étaient déjà positifs, ça appelle quoi? Ça appelle à une réponse. Ça appelle à pourquoi était déjà-t-il positif? Pourquoi il faut enquêter là-dessus? D'où ça vient? Eh bien non, des sujets comme ceux-là, ils choisissent de les étouffer et de pas en parler. Par contre, des trucs qui vont venir systématiquement nous diviser, comme la lettre de ces généraux, comme les discours d'Éric Zemmour, ça, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème, c'est véhiculé par les médias. Ben, quand on analyse ça avec objectivité, et qu'en plus, bah, on fait face à la censure qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur certains sujets en particulier. Quand on mélange ça en plus avec le contexte sanitaire, tout ce qui se passe actuellement, le fait que les petits commerçants tout simplement vont disparaître, donc c'est les grands groupes qui récupèrent le jeu derrière. Je veux dire, tout est là, tout est sur la table, tout est sous nos yeux, et il y en a encore qui Je veux dire, le travail a été énorme, quoi. Quand tu parles de ça aux gens et tout de suite qu'ils te brandissent ce mot paralysant là. Ah, mais ça, c'est du complotisme. Mais il y a des complots. Les riches complotent contre nous, les élites, l'État profond complote contre nous. Il y a des complots, il y en a toujours eu. Et là, on est à une époque où on essaye de nous expliquer que ah, les médias disent toute la vérité en permanence, il n'y a pas de complot, et penser qu'il y a un complot, ce serait mal pensé. Attention, c'est tombé dans quelque chose qui est limite de l'ordre du terroriste et de la débilité. Non, il y a des complots. Ça a toujours existé, les complots, évidemment, qui mettent en place des systèmes, des choses pour nous faire aller là où ils veulent aller, exactement là où ils veulent qu'on aille, c'est-à-dire vers une société complètement dénaturée, un cadre familial qui n'existe plus, de la surconsommation, de la distanciation sociale, de comment dire, être emprisonné, se priver nous-mêmes de nos libertés au nom de la sécurité, quoi. Le principe actif de tout ça, c'est la peur. Par la peur, on fait faire ce qu'on veut aux gens. Alors, la peur du virus, on en voit, ils font strictement n'importe quoi. Après, demain, il y a la peur du terroriste. Ah, la peur du changement climatique. La peur. Avec la peur, on fait faire exactement ce qu'on veut aux gens. Eh bien, ça, ils le savent.
Et ils ont, enfin, je veux dire, voilà, ils ont, c'est une partie d'échec. Et franchement, on est clairement, désolé de le dire, mais on est clairement en train de se faire de perdre parce qu'ils ont placé tous leurs pions et on peut plus rien bouger. Quoi qu'on bouge, on va se faire antisémite. On bouge, au complotiste. Tu bouges, homophobe. Tu analyses un truc, vas-y. Tous ces rayons paralysants qui sortent de tous les côtés. Et puis la masse aujourd'hui, bah, l'opinion publique, la clé de voûte de toute décision que peut prendre un gouvernement, et ben l'opinion publique, elle est complètement débile. Voilà, elle est là à scander ces trucs complotistes. Ah non, ça c'est, j'ai entendu à la télé, ils ont dit c'est du complotisme. Voilà, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse au milieu de tout ça, quoi? Alors, justement, et moi je pense qu'effectivement Éric Zemmour est aujourd'hui le porte-étendard de ce choc des civilisations, parce que quand Éric Zemmour dit tous nos problèmes aggravés par l'immigration sont aggravés par l'islam, donc il dit ça, il crée volontairement, si je puis dire, une polémique. Alors oui, on peut parler d'islam, il n'y a pas de raison que, et effectivement de la place de l'islam dans le pays, sans problème, sans problème. Mais alors, Monsieur Zemmour, pourquoi vous ne désignez pas vos corélégionnaires dans justement la poussée immigrationniste extra-européenne dans laquelle elle a bien entendu une responsabilité extrêmement lourde? Moi, je suis désolé, celui qui a attrapé le poignet de Macron là au dîner, c'était pas un musulman, monsieur Zemmour. Vous pouvez nous donner son nom? Je crois qu'il s'appelle Francis Khalifat. Je crois bien que c'est lui. Aux dernières nouvelles, il n'est pas franchement musulman, celui-là. D'accord? Donc, moi, je suis désolé, là, je vais reprendre les propos de, malheureusement, de Soralp, pour certains, mais les musulmans sont à la cave. Ils sont à la cave et ils ont servi de faire-valoir. Alors, moi, je déplore que les musulmans, malheureusement, certains n'ont pas compris. Ils le comprennent aujourd'hui maintenant. Ils comprennent qu'on leur a fait jouer on leur a joué un vilain tour, et c'est très, très bien, d'ailleurs, mais que. À l'époque, moi, dans les années 80, c'était le combat contre Le Pen. C'était voilà ce que disaient les gauchistes, les comment dire, les no-passaran, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'antifa, c'était des no-passaran. Ils disaient, ah oui, il faut mobiliser les gens des quartiers contre la montée du Front National. Ah bon? C'était ça le problème du pays à ce moment-là. Évidemment, le Front National dénoncer déjà la problématique de l'immigration, et Le Pen avait été clair là-dessus. Il disait, ce n'est pas le problème, ce n'est pas les émigrés en tant que personne, c'est la politique de l'immigration telle qu'elle a été conçue par les gouvernants qui, bien sûr, obéissent aux puissances d'argent maléfiques qui les contrôlent. Donc ça, tout le monde avait compris. Donc le problème, c'est que on n'entend pas Zemmour là-dessus. Zemmour, il est Monsieur Maître Gilles William Golnadel, pareil, lui aussi, c'est un élément du choc des civilisations. Madame Elisabeth Lévy, la même chose. Monsieur Finkielkraut, la même chose. Mais tous ces gens que j'ai énumérés sont-ils des musulmans? Eh bien non, ils ne sont pas des musulmans, hein, aux dernières nouvelles. Donc les généraux là, hein, vous vous réveillez quand, messieurs les généraux? Parce que là, on a besoin d'hommes, des vrais, des chevaliers pour le coup, hein. Des gens qui brandissent l'épée de Saint-Georges, hein, l'épée de la justice, pour aller châtier un petit peu tous ces méchants, hein, au sens, comment dire, premier du terme, parce que c'est de la méchanceté. Vouloir nous faire nous battre entre nous, et d'abord, ça n'est pas possible. Et je dirais même à Zemmour, d'ailleurs, dans un premier temps, que c'est absolument pas possible qu'il y ait de choc des civilisations. Moi, je n'y crois pas personnellement, pour la simple et bonne raison qu'il y a trop de mixité, hein. Il y a trop, c'est trop mélangé, hein. Il y a trop de Karim qui sont mariés avec Florence, des Géraldine qui sont en ménage avec Amadou, etc., etc. Il y a trop de métissage, Monsieur Zemmour. Ce choc des civilisations, il va être très, très compliqué. Par contre, ce qu'ils peuvent faire, et c'est là où l'effet est extrêmement pervers, c'est de créer effectivement un choc économique avec une descente évidemment et une destruction des banques, donc perte des avoirs plus une famine derrière. Ça, c'est un scénario tout à fait envisageable. Et Ouais. si les G... Oui, qu'est-ce que tu veux Pardon. dire? Là, ouais, quand on regarde, de toute façon, quand on regarde les choses objectivement, les musulmans actuellement, il se passe quoi pour eux dans le pays, en France? D'accord, il y a beaucoup de musulmans. Déjà, premièrement, qui les a fait rentrer? Ça, c'est un fait, hein, il y a beaucoup de musulmans. Il y a même des musulmans qui le disent eux-mêmes, donc personne ne peut le nier. Il y a beaucoup d'étrangers en France. C'est un fait. Qui a fait rentrer tous ces étrangers déjà en nous traitant de racistes au passage et tout ça? J'invite les gens à remonter un petit peu dans l'histoire et à regarder qui faisait la promotion de l'immigration à ce moment-là, justement.
un peuple qui a beaucoup souffert. Et deuxième truc, actuellement, on veut nous faire comprendre que le problème dans le pays, c'est les musulmans. Mais aujourd'hui, ils vivent quoi, les musulmans, dans le pays? Ils vivent quoi? Ils sont exempts de la vaccination? Non. Ils sont exempts de. Ils ont le droit de pouvoir sortir pendant les confinements? Non. Ils ont pareil. Je veux dire, ils vivent exactement la même chose que nous. Il va vite falloir comprendre là qu'on a un ennemi commun. On a un ennemi commun aujourd'hui qui veut nous opposer parce que ça fait partie de la suite de leur plan et qu'à un moment, ben, va falloir même s'unir avec ceux qu'on n'aime pas, hein, pour pouvoir le combattre. Cet ennemi commun, parce que si on s'oppose les uns aux autres, là, je veux dire, c'est fini, c'est terminé, on est foutu. Alors oui, après, il y aura certainement des choses à voir par rapport au fait que notre culture a été confrontée à une autre culture et que ça aussi, ça a été voulu. Ça a été voulu. Donc, ne tombons pas dans le piège. Tournons-nous vers cet ennemi commun, parce que musulmans ou non, là, on subit tous, mais vraiment tous, les mêmes choses, la même dictature venant des mêmes personnes. Donc, il y a, je veux dire, il y a, comment dire, je ne sais plus qui avait expliqué, en fait, il y a une priorisation des combats. Voilà, il y a plusieurs combats à mener, il y a plusieurs problèmes à régler, mais il y a une priorisation des combats. Il y a l'ennemi d'en haut, et puis ensuite, il y a les ennemis d'en bas. Mais pour dégommer l'ennemi d'en haut, déjà, qui nous fait nous opposer entre nous, bah, faut qu'on l'identifie et faut qu'on soit tous d'accord sur ce même ennemi qui nous fait tous subir la même chose aujourd'hui, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre religion, j'ai même envie de dire des fois, quel que soit notre pays, parce qu'il n'y a pas qu'en France qu'on subit cette dictature. Donc, bah voilà, il va falloir commencer à cogiter. Et ceux-là, ceux qui vont tomber dans le piège, ceux qui sont même déjà tombés dans le piège, hein, j'ai vu quelques trolls dans le chat là qui cherchent justement ce choc des cultures. Eh bien, ceux qui veulent tomber dans le piège, ben allez-y, tombez, mais n'essayez pas d'emmener les autres avec vous. Nous, on tombera pas dans ce piège-là. Et puis, tant pis, si la majorité des moujons tombent dans ce piège comme ils tombent dans tous les pièges, ben tant pis, voilà, on fera avec et puis on s'adaptera en temps réel aussi. C'est très exactement ce qui est problématique, c'est qu'effectivement, c'est les moujons qui sont extrêmement dangereux parce que ce sont eux qui peuvent déclencher ce fameux choc des civilisations parce qu'ils ne comprennent strictement rien. Moi, enfin, pour le peu de débats que je regarde à la télé, franchement, parce que quand je regarde la télé, moi, c'est Jean-Jacques parce que je suis chez un pote, c'est lui qui a allumé la télé ou un truc comme ça. Mais quand je les entends parler, mais je me dis, mais les gars. Vous êtes passé à Sarcelles, vous êtes passé à Trappes, vous êtes passé dans ces. Enfin, vous allez au Mureaux, vous vous baladez un petit peu dans ces coins-là. Je ne dis pas qu'on ne peut pas y faire des mauvaises rencontres, bien sûr. Je dis pas que vous ne pouvez pas croiser des bandes qui, à un moment donné, peuvent convoiter votre téléphone ou des conneries comme ça. Mais quand on les entend parler, ces gens-là, on a l'impression qu'on est en. On est à Srebrenica, en Bosnie, quoi. Il y a des bombardements, il y a des tirs de snipers, il y a des bandes armées à la Kalachnikov, bien que c'est en train de sortir un petit peu les Kalachnikov, hein. Mais c'est quand même un petit peu, c'est quand même un petit peu surréaliste. C'est pas parce qu'il y a des épiphénomènes, et Dieu sait qu'il y en a. On sait qu'il y a énormément de banlieues qui ont été alimentées en armes, je le dis, je le redis, et ça s'est fait avec la complicité des pouvoirs publics, parce qu'ils le savaient, les pouvoirs publics étaient informés, je suis désolé, la plupart des policiers de terrain, globalement, font leur boulot, font leur taf, et les mecs, ils remontent des informations, ces gars-là, ces policiers de terrain remontaient des informations, et ils ont remonté ces informations. Donc, je suis désolé, la hiérarchie ne pouvait pas ignorer certaines choses. D'accord? Donc, policier, je m'adresse à vous. Vous avez vous aussi une hiérarchie qui est totalement corrompue et il est temps que ça change de votre côté aussi. Parce que vous savez très bien que les dossiers sont bloqués et étouffés aussi. D'accord? Et que le travail que vous faites, quand vous arrêtez des délinquants, ce sont les juges d'application des peines qui les relâchent dans la nature. Alors que vous cassez le cul, allez les arrêter quand ils ont bien commis certains forfaits et certains délits. C'est le cas, par exemple, de Madame Assa Traoré. Hein? La famille Traoré, c'est tous des voyous et ben, pas des petits voyous. Ou c'est pas des mecs qui volaient des petites tablettes de chocolat, qui les mettaient dans leur blouson et qui essayaient de quitter le magasin. Voilà, non, ça c'était des gars qui braquage avec arme à feu. Enfin, c'est des gars, ils ont des dossiers extrêmement lourds, violence sur personnes âgées, etc., etc. Donc, non, il faut arrêter. Ça devient insupportable. Franchement, ça devient insupportable. Et vous avez remarqué qu'à chaque fois, de toutes les façons, que dans l'actualité, maintenant, il y a un fait divers. Bah, vous avez vu le commissariat de Rambouillet, il y a eu une attaque.
La dame, elle s'est fait égorger. Comment on peut égorger une policière dans un commissariat? Mais expliquez-moi ça. Putain, moi, je suis. Quand je vais, les rares fois où je rentre dans les comicos, les mecs, ils sont quand même nombreux là-dedans, quoi. Je veux dire, ils te font t'asseoir, ils te disent de mettre ton masque, etc. Elle était toute seule, cette dame. Comment le gars, il a pu passer derrière elle et l'étrangler? Je comprends. J'arrive pas. Il y a des choses que je ne pige pas dans les narrations officielles. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Comment le professeur Samuel Paty, il s'est fait décapiter par un mec de 18 ans? Comment c'est possible? Il était habitué à décapiter. C'était quoi le mec qui travaillait dans une boucherie? Découper une tête, bon, c'est quand même difficile de découper une tête. Vous demandez à des gens qui sont des chirurgiens ou même si vous regardez un petit peu au niveau de la Révolution française, des fois la guillotine est coincée sur les cervicales. Les mecs, ils étaient obligés de remonter la lame pour finir le gars qui était en train de hurler, en train de pisser le sang parce que la lame s'était coincée dans les vertèbres. Mais moi, je sais pas. On nous explique des choses qui sont abracadabrantesques, les attentats de Charlie Hebdo, l'attentat de Nice, le camion, il s'est conduit tout seul, tous les impacts de balles, ils sont dans le pare-brise à côté passager. Qui c'est qui a conduit le camion? Enfin, je veux dire, mais c'est quand même incroyable que le moujon de base, justement, ne voit pas tous ces mensonges. C'est quand même absolument, c'est quand même hallucinant. Moi, c'est ce qui me fait peur, c'est la bêtise ambiante, quoi. C'est-à-dire c'est la peur, en fait. Vous savez qu'un chien qui a peur, c'est lui qui risque de vous mordre. Un chien qui a peur, ou un chat qui a peur de vous, il risque de vous griffer salement. Mais c'est ça le problème, c'est que la culture de la peur qu'on est en train de distiller dans la société risquerait de faire faire des bêtises à des gens qui ont perdu toute rationalité et qui n'ont aucune analyse sérieuse de la situation. Et c'est ça qui est dramatique. C'est ça qui est dramatique. Vous voyez? Mais le problème, c'est que j'ai encore été confronté récemment. Je veux dire, Maximus, si c'était vrai ce que tu dis, il y aura quand même des journalistes qui le diraient à la télé. Voilà, et on est confronté en fait à de la, pardon hein, pour l'expression, mais de la débilité, quoi. Moi aujourd'hui, je suis en colère. Ouais, je suis en colère parce que cette histoire de vaccin AstraZeneca contre décharge, quoi. Je veux dire, voilà, c'est bon, là, on a atteint le niveau de moujonnerie le plus élevé. Mais non, on a touché le fond. Mais non, on va creuser, on va creuser, on va descendre plus bas encore. À un moment, tu te dis, c'est bon, on touche le fond, on va finir par remonter. Mais non, allez, plus profond, sortez les foreuses, allez, c'est parti, on descend, on descend, on descend. Et dès que tu ouvres le museau, complotiste, si c'était vrai, il le dirait à la télé. Je suis désemparé, je suis désemparé. C'est malheureux, mais c'est consternant. Mais moi, personnellement, je suis confronté à la même chose que toi. Et moi, je vais en manif et on voit bien aussi en manif qu'il y a aussi des changements d'attitude de la part de la police et c'est heureux Oh, d'ailleurs, dans le bon sens. attends, juste 2 secondes. Toi, là, machin, là, qui arrive, qui dit oui, moi, avant même que vous soyez sur YouTube, moi, je parlais tout ça, machin et tout. Je t'ai dit, tu veux une médaille? Tu veux une médaille, c'est bien. T'es venu faire quoi? T'es venu pour te faire mousser, pour expliquer que toi, t'avais tout compris avant tout le monde? Et t'as fait quoi? T'as fait quoi pour changer les choses? Donc, allez, ciao, bye bye. C'est bon, franchement, les mecs qui viennent se faire mousser et donner la leçon, là, aujourd'hui, je suis pas d'humeur. Shoshana! Ah, t'as fait quoi pour changer les choses, toi? T'as fait quoi à parvenir? Ouais, tout ce que vous dites, je le savais avant vous. C'est bien, t'es un super héros. Tu savais Mais tout avant d'abord, tout le monde et t'as on rien s'en fout. changé. La question n'est pas de savoir qui avait raison avant qui. La question, c'est qu'on est tous conscients que derrière, ces gens-là cherchent évidemment des conflits de basse intensité. On est dans une stratégie de la tension, une stratégie du choc. Hein, lisez Naomi Klein, effectivement. Le capitalisme est en train de décliner et il va changer de forme. Et pour cela, il faut continuer encore une fois. D'arracher, j'ai envie de dire, parce que, enfin, arracher entre guillemets, le consentement du moujon. Il faut que le moujon soit d'accord avec sa propre destruction. Voyez? Il faut absolument que ça soit ça. Et si on peut encore utiliser le moujon, parce que, en faisant monter Marine Le Pen comme ils sont en train de le faire, parce qu'on voit l'artifice, si tu veux, la manipulation derrière tout ça, Marine Le Pen qui se gausse en disant oui, on a de bonnes chances effectivement de gagner l'élection présidentielle, ce qui est bidon, ce qui est faux, compte tenu du niveau de moujonnerie très avancé du pays,
Marine Le Pen ne sera jamais élue parce qu'elle porte le nom de Le Pen et il y a 30 ans de conditionnement anti-Le Pen dans cette population. Ça fonctionnera pas. Et quand on voit la force encore du mainstream aujourd'hui, ça veut dire que le Mougeon, il n'est pas prêt à faire les bonnes analyses et il a strictement rien compris à ce qui se passe, puisque quand on en est à dire oui, vous êtes complotiste, ben oui, je suis complotiste, ne veut, je le dis, je le redis, ça ne veut strictement rien dire. Complotiste, c'est celui qui est avec le comploteur. Donc les complotistes, pour l'instant, c'est les médias, c'est les politiciens, sont les médecins experts. Ce sont eux les complotistes parce qu'ils sont avec les comploteurs. Comme de la même Alors, manière qu'un excuse-moi. cégétiste, attends, je termine, un cégétiste est avec la CGT, de la même manière qu'un un sarkozyste est partisan de Nicolas Sarkozy ou un macroniste est un partisan de Macron. D'accord? Et le français, à un moment donné, on va l'utiliser convenablement. Hein? Donc, on arrête de se laisser intimider par le vocable complotiste. Complotiste ne veut strictement rien dire. Les complotistes, c'est Pascal Praud, c'est Zemmour. C'est Elisabeth Lévy, c'est J. William Goldnaden, c'est Phil Ken-Krout, c'est Cohn-Bendit, c'est eux les complotistes, et j'ai pas peur de les nommer. Et alors, Charlotte Corday, tu me dis, Lou, tu critiques tout, quoi qu'on fasse, manif, pétition, etc. Moi, comme je vous l'ai dit, la solution, je ne l'ai pas. Mais oui, en effet, j'utilise un petit peu mon bon sens et j'essaye de remonter dans le temps et de réfléchir. Et je vois que souvent, les Français ont la mémoire courte, ce qui est malheureux. Mais quand on y réfléchit, c'est quand la dernière fois qu'une manifestation a réellement changé les choses dans ce pays? Ah, on peut chercher, on peut creuser, on peut aller très loin. C'est quand la dernière fois qu'une pétition a réellement changé quelque chose dans ce pays? On peut creuser, on peut remonter, on peut chercher très loin. Hein, je ne suis pas sûr qu'on va trouver. Donc, non, je dis que en fait, on se bat avec les armes que donne l'ennemi. Et comment dire, la solution, je ne l'ai pas. La solution, on continue à la chercher. Si la solution, si quelqu'un l'a, qu'il l'amène. Mais manifestation, pétition, machin, là, aller faire les clowns avec des autocollants et des trompettes, et rentrer sagement à 19 h parce qu'il faut rentrer avant le couvre-feu. Non, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. C'est l'analyse que je fais. J'ai le droit de la faire, cette analyse. Je la fais. Voilà, je dis pour moi, ça ne fonctionne pas. Et quand on regarde les choses objectivement, ça ne fonctionne pas. Donc, ceux qui veulent faire des pétitions, allez-y, faites des pétitions. Si vous pensez que réellement votre pétition changera l'avenir du pays, faites des pétitions. Vous voulez faire des manifestations, faites des manifestations. Moi, je pense qu'il y a, il y a, il y a, il y a le seul aujourd'hui, la seule opposition réelle, quand on a conscience de la complexité, de l'ampleur du piège dans lequel on a été pris, c'est l'émancipation. C'est de se dire, Ouais, voilà, je mais, ne serai. attends, Lou, l'émancipation, c'est pas à la portée spécialement de tout le monde, parce Et que c'est vous pas êtes tellement mis, et la attends, vous êtes résistance tellement n'était mis pas à, à la portée de tout le monde non plus. Donc je veux dire, non, mais évidemment, le attends, c'est problème, facile. il est complexe. Les gens, ils L'avantage, veulent quoi? moi, Ils veulent une je, solution servie sur un plateau. C'est-à-dire que tu amènes le truc, tiens, voilà la solution. Évidemment attends, que c'est compliqué, évidemment que c'est dur. non, moi, je suis pas d'accord avec toi, la manifestation, elle a quand même un gros avantage. Un, c'est qu'elle crée du lien. C'est très, très bon de créer du lien. Et deuxièmement, ça montre une certaine visibilité et un certain niveau de mécontentement. Donc, c'est pas Bah, tu totalement les as inutile. vues, les C'est pas, manifestations du attends, 1er mai. c'est Alors, je suis pas d'accord, totalement inutile. C'est il y a pas pu y tout. avoir du bénéfice à tirer de ces manifestations, j'en suis d'accord. Après, est-ce qu'elles sont une solution? Pour moi, non. Voilà, pour moi, j'aurais plus le truc, c'est un truc, si ça Disons doit être une que action comme c'est ça, pas, c'est une manière de ce serait créer une forme du de réseau. révolution. Ce serait plutôt une Attends, forme attends. de révolution à ce moment-là, ouais. C'est-à-dire une manifestation, mais qui ne s'arrête Tu crées pas. en manif, tu crées aussi du réseau. Et en créant du réseau, tu réfléchis à des solutions. Et c'est pas négatif, la manif, les manifestations, parce que tu peux aussi, entre guillemets, avoir une influence à partir du moment où tu as un certain niveau de conscience. Parce que si, effectivement, tu vas dans des manifs pour chanter la Macronie, c'est dégueulasse, ou je ne sais quelle ineptie, débile en jouant du tambour, je suis d'accord, ça ne sert strictement à rien. Par contre, quand tu fais une manif avec les forces de l'ordre et la gendarmerie, où tu passes les bons messages, crois-moi, ça a de l'impact. Donc, il y a manifestation et manifestation entre guillemets. Donc, moi, je suis tout à fait, comment dire, conscient que effectivement, ça peut avoir une limite, mais en attendant, c'est pas inintéressant de le faire, d'aller sur le terrain et de se trouver avec des gens avec lesquels justement on est un petit peu en osmose sur le plan intellectuel et où on est heureux de voir que certaines personnes ont compris les problématiques. Donc,
Il faut pas se leurrer. Regarde, ils ont toujours refusé. Ils ont eu peur de ça. La Macronie a eu peur que les banlieues rejoignent les gilets jaunes. Pourquoi ils avaient peur de ça? Parce que ça aurait créé un réseau entre les campagnes et les banlieues. Et Et là, tu aujourd'hui, vois, et si là, tu crées, excuse-moi, attends, Maximus, mais là, tu as pu voir justement la puissance si tu, médiatique. C'est-à-dire que du jour au lendemain, c'est pas fini, hein. du jour au lendemain, les gilets jaunes sont, ouais, mais je veux dire, je voulais réagir sur le vif, là. Tu peux voir la puissance médiatique et les outils qui sont en face de nous. Du jour au lendemain, justement, où il y a eu ce petit moment de basculement où les banlieues auraient pu rejoindre les gilets jaunes, qu'est-ce qui s'est passé? À la télévision, on a vu partout, ouais, les gilets jaunes, en fait, c'est des racistes, les gilets jaunes, c'est, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Ben, les mais on est banlieues à n'ont la pas guerre. rejoint. Lou, on est à la guerre. Donc tu sais très bien comment est l'ennemi en face, il est implacable et son arme, c'est le mensonge, c'est la calomnie, c'est la manipulation, etc. On le sait ça. Après, maintenant, il faut dépasser le cadre médiatique parce qu'on sait qu'il est mensonger. Et on le sait, ça fait 30 ans que ça dure. Moi, je te donne un exemple justement concernant justement ce fameux choc des civilisations. Ils t'ont montré le pont de Srebrenica qui était en flammes. Le pont de Srebrenica, il n'a jamais brûlé. Il n'a jamais brûlé, ils nous l'ont montré à la télévision, le truc en flamme. C'est bidon, c'est totalement bidon. Donc on sait comment ça fonctionne, il y a des montages, il y a des trucages, il y a des coupes. Tes propos, ils sont repris, ils sont disséqués et ils sont remis dans un autre contexte. On le sait très bien, mais si tu donnes du crédit à la puissance médiatique, bah tu fais rien, tu ne sors pas de chez toi. Mais Or, le problème, c'est pas que moi je lui donne du il crédit. Le faut problème, c'est pas que retourner, nous on lui donne plus de crédit. il faut retourner avec les gens dans le réel. Et retourner dans le réel, ça peut aussi passer par la manifestation et les rassemblements. Je suis désolé là-dessus, je vais pas te suivre parce que moi qui fais beaucoup de manifs et de rassemblements, je peux t'assurer qu'il y a des choses qui se font de manière souterraine. Et c'est pas totalement inutile. Et peut-être que ces choses qui se font de manière souterraine, avec un peu de chance, grâce à Dieu, peut-être qu'elles aboutiront là où on souhaite qu'elles aboutissent. Mais dans l'immédiat, si on reste tous chez soi en se disant, ouais, autonomie, ben on peut pas, tout le monde ne peut pas faire de l'autonomie, tout le monde n'a pas un bout de jardin, tout le monde n'a pas un bout de terrain, tout le monde n'a pas, voilà, tout le monde n'a pas des panneaux solaires. Donc, on fait avec les moyens du bord, tu vois ce que je veux dire? On fait avec les moyens du bord. Donc là, Moi, pour moi, on peut pas faire. manifestation, il suffit de voir On est obligé de faire comme ça dans un premier temps parce que de toute façon, il suffit de voir les manifestations. Attends, l'effondrement, parce que mais demain, quand ça va s'effondrer, Lou? Quand ça va s'effondrer? C'est quoi? Parce C'est une que. manifestation qui va nous sortir du truc Non, mais demain? le C'est, fait de regarde, connaître ton. les Non, manifestations, attends, non, 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 c'est manifestations. pas. Non, attends, laisse-moi terminer. Manifestation contre la loi contre le mariage pour tous. Je suis désolé, il n'y a pas autant de gens dans la rue aujourd'hui qui sont en train de manifester contre la dictature sanitaire qu'il y en a eu contre le mariage pour tous. On avait quoi? Plus d'un million de gens dans la rue contre le mariage pour tous. Ça a changé quoi? Il s'est passé quoi? C'est pas une... Je suis d'accord avec toi, je te rejoins sur le point que Non ça mais fait du lien là il s'agit social et pas qu'il est important de attends rencontrer les gens. là 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 il s'agit pas de comment dire d'une modification sociétale qui avait peut-être une incidence relativement faible sur nos vies. Aujourd'hui, ces gens-là cherchent à atteindre notre intégrité physique et voir au-delà, et c'est-à-dire Oui, mais on qu'ils n'est veulent pas des quand même millions nous dans les rues. On ils n'est veulent pas nous des millions dans les vacciner, rues. mais tu sais, il y a un moment donné, on sera en position où il faudra survivre. Comment tu vas faire? Tu vas te battre avec ton voisin ou tu vas essayer de. Donc, il y a un moment donné, il y a ça aussi. Et désamorcer les conflits qui arrivent, il va falloir des pacificateurs dans les zones où ça va s'agiter. Des gens qui auront compris les problèmes. Et ces gens-là, ils porteront une parole qui pourra peut-être désamorcer des futurs conflits. Et c'est important de le faire. Donc, oui, la manifestation en tant que telle n'a pas d'incidence sur le cours et la marche du nouvel ordre mondial, ou par exemple, du possible choc des civilisations à venir. Mais en attendant, il y a une chose qui est importante, c'est que les êtres humains se parlent et prennent l'habitude de se parler, de se rencontrer. Et quand on fait ça, on développe des qualités, on développe des capacités. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est important de le faire. Il ne faut plus obéir à ces injonctions qui nous imposent de nous comporter comme des prisonniers ou comme des rats de laboratoire. Il ne faut plus obéir à ça. C'est une question de survie. Voilà, tout simplement. Si vous voulez survivre, sortez de chez vous, remettez-vous en mouvement. Point, c'est tout ce que j'ai à dire. Peu Mais importe la manière je les dont. entends Attends, bien. attends. Voilà.
Non, Parce mais que si tu rester à avais la 10 points, maison. c'est tout ce que j'ai à dire. Je croyais que tu avais fini, en fait. Non, mais Je si les tu entends veux. bien, je les entends bien, ces belles paroles. Et c'est des belles paroles, j'entends bien tout ça. J'entends bien tout ça. Mais là, quand on a conscience réellement du piège dans lequel on est, des solutions, j'en vois pas. Personnellement, des solutions, j'en vois pas. Aller faire des manifestations, ok, pour créer du lien social, ok, pour rencontrer des gens qui pensent comme nous, ok, mais est-ce qu'il y a des C'est millions de déjà une... personnes? Est-ce qu'il y a des C'est millions de très... personnes dans la rue qui sont en train de manifester On est de plus contre... en plus nombreux de toutes les façons et ça montera en puissance de fait. Parce que quand les gens vont se retrouver avec plus rien ou il y aura, comment dire, un assèchement des comptes bancaires ou que sais-je encore, ou des famines, ils Mais n'auront ça pas le aussi, je le choix. vois venir. Ça aussi, je le vois venir. Je le vois venir, les millions de gens dans la rue, parce que justement, il y a eu l'effondrement économique, parce que justement, il y a une famine, je le vois venir. Mais à ce moment-là, ces millions de gens qui sont dans la rue, quel ennemi va-t-on leur désigner? Le véritable ennemi, celui qui nous a conduits à cette situation, ou bien simplement les gouvernements nationaux? Donc on va nous utiliser pour renverser nos gouvernements. Évidemment que je les vois venir, ces trucs-là, parce que j'ai l'impression, en fait, qu'on s'imagine pas que l'ennemi a anticipé tout ça. Sinon, on est capable de l'anticiper. Et ils sont bien plus intelligents que nous. C'est pas des abrutis, contrairement à ce qu'on nous fait, à ce qu'on essaye de nous faire croire. Sinon, on a pu anticiper tout ça. Ils l'ont anticipé aussi. Ils savent très bien Oui, et... où ils nous conduisent. Ils savent très bien que demain, on va se ben... révolter. Et malheureusement, Non, mais la révolte, dans la elle est dans majeure partie. l'intelligence. Attends, la révolte, elle est dans l'intelligence et elle est dans d'exposer ces gens-là, c'est-à-dire mettre la lumière sur eux. À partir du moment où tu les exposes, ils perdent leur puissance. C'est ça le problème. C'est que si le peuple était conscient de qui les contrôle réellement, automatiquement, ces mondialistes n'auraient plus de puissance. Ils n'auraient plus rien. La puissance, ils l'ont parce que c'est l'ignorance qui fait qu'ils gardent Eh leur bien, force. on en revient Voilà. au problème de base alors. Comment faire prendre conscience à la masse? Mais Et ça, alors, je oui, te mais dis demain, en attends, fait, Lou, quand les gens, qu'est-ce qu'on quand les... fait? Qu'est-ce qu'on fait? On se jette par la fenêtre tout de suite ou qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi? Non, on Bah moi, je continue à suis chercher. désolé. On continue à Ah chercher, on continue à réfléchir et à bah, s'adapter il en faut être... temps, à s'adapter en temps réel, j'ai envie de dire. De toute façon, Oui. on peut faire plus que ça, s'adapter Bah, s'adapter, en temps réel. mais c'est surtout ne pas avoir peur de la vérité, d'exposer les choses. Quand des militaires commencent à parler Davos, etc., et de Schwab, ça devient bon signe, je trouve. Parce qu'il y a un contre-appel de militaires qui ont justement parlé de Schwab, et de Davos et du Bilderberg. Il y a une Celui-là, vague elle n'a pas de... été relayée par les médias, celui-là. Cela n'a pas été relayé, mais quand même, ça bouge dans les couches. Donc, il ne faut pas être totalement pessimiste. Et ça suffit, ce pessimisme ambiant. Parce que quand on est pessimiste, on est à peu près sûr de perdre les batailles. Donc, il faut arrêter d'être pessimiste. Et il faut se battre jusqu'à l'énergie du désespoir. D'accord? Parce que moi, j'ai vu des mecs qui étaient complètement rincés en boxe, et qui mettaient une gauche à la mâchoire. Et boum, alors qu'ils étaient dominés, 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 le mec, il met une droite sur la mâchoire. Et l'autre en face, qui dominait le combat, il tombe KO. Donc, à un moment donné, il faut aussi faire confiance à la Sainte Providence. Je suis désolé. On a affaire à un ennemi qui est spirituel en face. Ben, nous aussi, nous sommes spirituels. Et si nous sommes des spirituels, nous pouvons croire que nous pouvons gagner largement, largement. Mais cessons d'avoir peur et arrêtons de trembler dans nos culottes. Putain, comportons-nous comme des hommes, comme des soldats. Et puis, ma foi, si on doit tomber, on tombera, bordel. Mais il faut arrêter à un moment donné, il faut donner l'exemple. Il faut donner l'exemple et il faut à un moment donné sortir chez soi et dire, quoi qu'il advienne, je garde la position. Quoi qu'il advienne, je garde la position. Même si demain je suis dans les minoritaires, je garde la position. On ne sait pas ce qui se passe. Tu sais, too big to fall, ils disent. Trop gros pour tomber? Je demande à voir. Je demande à voir s'ils sont si gros que ça. D'accord? Je demande à voir. Regardez, pourquoi ils sont là en train de ratisser YouTube et d'effacer toutes nos vidéos? Pourquoi à un moment donné, quand vous dites quelque chose, ils vous traitent de complotistes? Pourquoi en ce moment, ils font survoler des hélicoptères? Vous n'entendez pas les hélicoptères, les avions qui passent en ce moment au-dessus de vos têtes, ceux qui sont dans la région parisienne? En ce moment, ils sont en train de se chier dessus. Je le dis, ils sont en train de se chier dessus. Alors certes, ils vont nous casser les dents. Certes, ils veulent nous vacciner. Certes, ils veulent nous amener dans le chaos, dans le désordre. Et effectivement, notre position n'est pas la meilleure. On est d'accord, comme disent les musulmans. On est d'accord, mashallah. Mais putain, mais si on se barre, putain, pourquoi on gagnerait pas? Si tu te laisses faire dans la cour de l'école, tu prends ta branlée et tout, à chaque récréation.
Et si tu te bats, tu commences à inverser la tendance. Donc, on n'a pas peur, on se met debout et on se bat, putain. Et si on doit se faire casser les Ouais, dents, mais on et regarde. si on doit y laisser notre peau, eh bien, on le fera et on ira rendre des comptes à notre créateur. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, arrêtez de trembler. Oui, peut-être que demain, on va tout perdre. Oui, on va peut-être le perdre. Et alors, on recréera autre chose. On recréera autre chose. Mais il faut pas avoir peur. Il faut plus avoir peur. Mais Putain de merde. c'est qu'en fait, on regarde pas les. Enfin, on comprend les choses exactement de la même manière, mais je sais pas. Moi, aujourd'hui, oui, j'avoue, je suis dans un gros pessimisme parce que de voir en fait les choses arriver systématiquement et de voir qu'elles passent, ça se met en place, et puis Mais de si voir tu les gens pourras pas tomber dans le panneau, l'empêcher, et une fois encore, tu pourras pas l'empêcher, mais je arrête de sais que je regarder pourrais. le faible à côté de toi, regarde le fort qui combat. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Regarde l'homme fort qui combat à tes côtés plutôt que le faible qui tremble et qui va se cacher dans un Ouais, buisson. non, mais je suis d'accord avec ces paroles-là, mais après, moi, je suis un peu plus pragmatique dans le truc quand même. C'est que, en effet, il y a les belles paroles comme ça qui peuvent être galvanisantes et puis Mais qui. il faut qu'il y ait des belles paroles. Comment tu fais gagner un combat à un mec? Si le mec, tu l'envoies sur le ring et tu lui dis, putain, le mec en face, il va te rétamer, putain, il a une de ses gauches, il a un putain de direct, mais il va te casser en deux. Mais ton gars, il va perdre le combat. Si tu dis à ton gars, vas-y, tu peux l'avoir, Oui, mais putain, mais ça, je cogne-moi celui-là. l'entends Eh encore, ben, c'est les Maxime, paroles ça, qui je l'entends. galvanisent. Mais c'est comme ça que ça, mais c'est comme ça qu'on galvanise. Oui, Martin Luther King, il a fait quoi? mais Comment il d'accord, sur ça, s'appelle? je suis Malcolm d'accord, X, il a Maxime. fait quoi? Gandhi, il a fait quoi? Ils ont parlé à la foule. Jésus, il a parlé aux foules. C'est comme ça que tu lèves les foules, mon gars. Si tu commences à leur dire, restez chez vous et pleurnichez sur votre sort, mais les gens, ils vont déprimer, jetez-vous par la fenêtre. Non, les gars, on se met tous debout et on y va, on leur rentre dedans. Putain, c'est comme Mais ça que ça marche. ouais, ça encore une fois, C'est comme ça que ça marche. j'entends ce que tu dis et j'entends le truc et je peux bien comprendre Au nom du Christ, on le fait. Point. Regarde, le Christ, il est allé sur la ouais, croix. Et non alors, mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, on y va, on y va. Si on doit être mis en croix, mettez-moi en croix, bordel. Putain de merde. Non, mais c'est pas possible. On va pas mourir comme des lavettes, quand même. On n'est pas des Non, mais la... je on n'est suis pas. Ben d'accord, voilà. On Maxime, n'est pas des si je Bilal peux. Hassani. On n'est pas des Bilal Hassani. Et moi, je suis pas Bilal Hassani, d'accord? Maintenant, je me battrai pour ma survie. Point à la ligne. Ben, il faudra me tuer. C'est comme ça. C'est tout, c'est Mais comme ça. moi je suis d'accord pour qu'on se batte pour notre survie. Hein. J'ai même envie de te dire, c'est déjà ce que je fais actuellement. Hein. Mais comment dire, ah, j'ai trop la vision de la complexité des choses. Et malheureusement, le truc, moi, la chose sur laquelle je reviens tout le temps, c'est ça, c'est cette opinion publique qui est au milieu et cette opinion publique demain qui va être formatée à accepter les pires choses. Et cette opinion publique, c'est la clé de tout. Donc il faut trouver un moyen justement de sortir cette opinion publique de l'aveuglement dans laquelle elle est. Alors moi, je veux bien entendre Attends, l'opinion Attends, publique, c'est. Attends, l'opinion publique attends, sera je voulais bien aller sidérée. jusqu'au bout. Oui, elle sera sidérée par des hommes de courage et de conviction, pas par des gens faibles, mous et lâches et pessimistes. L'opinion publique, elle suivra le courant parce que c'est comme ça qu'elle est. Donc, si tu veux gagner l'opinion des bats-toi, gagne les cœurs, comme disait le général Maximus dans Gladiateur, gagne les cœurs. Et là, peut-être que ta masse, elle dira, ouais, c'est vrai, il a raison quand même. Peut-être qu'on peut suivre ce gars-là. Voilà. Mais si tu es là, oui, mais moi j'ai peur, je peux pas, je sais pas comment. Mais on va, moi j'ai pas envie d'être une bête traquée. Putain, je veux pas être une bête traquée. Parce que c'est ça qui nous attend demain. On sera tous éparpillés, on sera tous isolés. Poum, 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 poum. Et on sera shooté et on sera éliminé un par un. Mais si on est un bloc, si on est un groupe, si on est déterminé, ouais, il faudra nous massacrer et en masse. Là, ça sera pas la même, ça sera pas la même chose. Il faudra nous tuer en masse. Voilà, c'est tout. Ouais, enfin bon, bref, moi quand je rentre ça dans l'analyse encore, moi je parle pas, moi je parle, toi tu vois, tu essayes de faire croire que genre je serais inerte, j'aurais peur et puis que Non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. je prendrais l'immobilisme. Moi je suis dans la recherche de solutions cohérentes. Ce que j'essaye de faire depuis 2 ans justement, c'est qu'avant que les gens aillent prendre de mauvaises décisions, que d'aller à la castagne, des trucs comme ça, et puis se retrouver dans des situations complètement dingues. C'est qu'avant, ils aient déjà compris dans leur tête pourquoi il faut se battre et de quelle manière il va falloir certainement mener ce combat, qui est un combat qui n'a rien de loyal,
qui n'a rien de qui n'a aucune des règles du combat ordinaire. Donc c'est quelque chose vraiment, on va dire aujourd'hui, bah ouais, on le sent, on est à la fin d'un cycle. On est clairement dans quelque chose de nouveau. Après, je sais pas, moi j'ai beau retourner le truc dans tous les sens, hein, je vois pas demain j'en voyais plein se galvaniser avec la manifestation du 1er mai, manifestation du 1er mai. Ouais, mais c'est des manifestations, je veux dire, c'est bien, les gens y vont, ça crée du lien social. Attends, Il y a laisse-moi aller plusieurs jusqu'au types bout. de façons. Les gens se rencontrent, mais après, quand on va jusqu'au bout du truc, c'est pas une manifestation aujourd'hui ce qu'il faudrait, c'est une révolution, comme tu le dis, c'est que les gens se mettent à se défendre et à se battre. Mais une Ça révolution, viendra. voilà, ça viendra. Mais le problème, c'est que quand ça viendra, est-ce que ça viendra pour les bonnes causes? Est-ce que ce seront les bons responsables qui seront désignés? Tu vois, moi, c'est ça, c'est que je suis pragmatique dans le Bah, truc. ils seront désignés que quand la vérité qui prend malheureusement l'escalier arrivera à l'étage. Mais il faut parler en vérité. Il faut arrêter les comment dire de tourner toujours autour du pot. Et on tourne trop autour du pot. Et c'est ça. C'est pour ça que moi je Après, vais. moi, je l'ai déjà dit aux gens. Hein. Moi, j'en entends dire à droite à gauche, là, des youtubeurs, tout ça, ils sont contre le vaccin. Mais bon, s'ils n'ont pas le choix, s'ils peuvent plus voyager, bon, ben, ils vont finir par se vacciner. Moi, les gens le savent. Jusqu'au bout, C'est leur choix. je refuserai cette vaccination, et je suis réellement prêt à aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, si demain, ouais, je dois me retrouver seul et traqué, eh ben, je serai seul et je me ferai traquer. Si demain, je dois me battre pour pouvoir empêcher que cela arrive, je me battrai. Et j'aimerais bien, ouais, qu'on soit beaucoup plus nombreux Ça va tomber, Lou. dans cette optique. Lou, Mais pour ça va l'instant, tomber. Crois-moi, ça va tomber. je Tu sais l'espère. quoi? Je l'espère. Il y a 10% de vaccinés, très honnêtement. Il y a 10, quand tu vas monter à 20%, mais tu vas avoir des ribambelles d'effets secondaires, tu crois qu'ils vont pouvoir le cacher? Ils vont pas pouvoir le cacher, tu sais pourquoi? Parce que l'information sera locale. Elle l'est déjà d'ailleurs. Moi, je m'entraîne avec un gars là en ce moment, et ce gars-là, sa voisine, elle a fait les deux vaccins, et sa voisine est morte 48 heures après. C'est local, ça va devenir local. Et maintenant, ils veulent aller vacciner les gamins, mais tu crois qu'il va se passer quoi sur les gamins? Tu crois que les gamins ne seront pas victimes d'effets secondaires? Tu crois que quand tu auras ton voisin ou ta voisine de palier ou d'immeuble dont tu auras vu le gamin à la ramasse parce qu'il aura pris une injection alors que le gamin il était parfaitement en bonne santé, tu crois la télé va pouvoir te dire oui, non, tout va bien, tout est OK, c'est pas le machin? Mais tu crois que ça va En fait, passer? Ça passera pas. le truc qui me rassure justement, c'est quand on sait que ce sont des messianistes qui sont à la tête de tout ça. Quand on connaît justement les différentes eschatologies, et notamment l'eschatologie chrétienne, eh bien, ce combat, on le perd. On le perd pendant un temps, on le perd bien comme il faut, mais à la fin, on gagne. Eh bien, je crois qu'on est à cette étape-là. On est à cette étape où le combat, on est en train de le perdre. Il va falloir qu'on on est On on est n'est on pas en est train de le perdre. on Ça, est je navré refuse de d'entendre ça. on est On n'est navré en pas tout en cas train de le perdre. de voir les choses tomber si bas et de devoir creuser Ça si tombe bas, profond mais à chaque on n'est fois. pas en On se train de dit c'est perdre. bon, on a touché le La fond, vie, c'est plus fort que la mort, Lou. Tu peux mais brûler une. Lou, tu non, peux mais je mettre suis le feu à une d'accord avec ce que forêt. tu dis. La vie, c'est plus Pendant un fort que la moment, tu mort. vas être calciné, La mais guerre, quand c'est il pas va y bien. avoir de la pluie et que ça va tout laver, etc., ça va envoyer des pouces. Nous, nous Moi, ce sommes que je la dis, vie. c'est qu'avant de Eux, ils sont remonter, il la va falloir mort. qu'on. Ce que je dis, c'est qu'avant de remonter, il va falloir visiblement, et c'est comme je le dis, c'est visiblement comme ça aussi que c'est vu dans les eschatologies, il va falloir tomber bien bas, il va falloir tomber On va très tomber bas. Et bas. à ce moment-là, peut-être on pourra envisager de commencer à remonter, mais on Mais n'a pas fini de tomber. franchement, Lou, honnêtement, quel est l'intérêt aujourd'hui, très honnêtement, même envisageons même notre propre mort, c'est-à-dire la vie, le trépas. Mais le trépas, c'est rien. Il y a une autre vie après le trépas. Si tu dois trépasser, qu'est-ce que tu vas vivre dans un monde transhumaniste avec des robots partout, des drones, de l'intelligence artificielle, des passes sanitaires? T'as envie de vivre dans ce monde-là? Moi, j'ai pas envie. Moi, personnellement, je préfère, et franchement, laisser ma peau, honnêtement, ma carcasse, organique, et avec un peu de chance, peut-être que je devrais rendre quelques comptes à mon créateur, mais ça, c'est sûr et certain. Mais pourquoi faire? Pourquoi vivre dans un monde pareil? On s'en Ouais, mais fout. sur ça, mais justement, c'est là où ça, je veux dire, on est là, on est sur Terre, on a quelque chose à y faire, et dans cette Oui, on est sur vie-là, Terre, mais c'est provisoire, ça. dans cette vie-là, on se retrouve à une époque justement, ben, où
on a un combat à mener parce que bah, cette guerre, quelque part, c'est pas nous qui l'avons déclenchée. Et comme le disait la dernière fois, j'écoutais sur la chaîne d'Alexandre Le Breton, en fait, cette guerre, elle a commencé bien avant qu'on naisse. Cette guerre, elle a toujours eu lieu. Cette guerre-là, elle est là depuis des millénaires, la guerre qu'on est en train de vivre actuellement. Mais là, on arrive à un point, on arrive à un point charnière. Et après, bon, voilà, moi, je n'ai pas envie de Et rentrer dans alors les une fois qu'on discussions. tremble, Attends, laisse-moi non, aller jusqu'au attends, bout. Laisse-moi une aller fois jusqu'au bout, s'il te plaît. qu'on tremble J'ai comme de pas la envie. gélatine, qu'est-ce qu'on fait? On reste là, on attend qu'ils viennent nous chercher? Mais c'est quoi? Je suis en train de dire aux gens de trembler comme de la gélatine, là? Est-ce que c'est ce Non, que je suis mais. en train de dire aux gens? Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que le combat, il est actuel, qu'il faut le mener et que, en gros, peut-être, hein, on n'en verra pas la victoire de ce combat et que c'est peut-être justement dans ce sens-là qu'il est le plus honorable à mener. C'est que c'est un combat qui a commencé, comme je le disais, bien avant nous et qui continuera même certainement derrière nous et qu'il faut le mener quand même. Et que justement, moi, je prends souvent l'image de la flamme d'une bougie qu'il faut garder allumée. Et je pense qu'on est actuellement dans cette situation. La victoire, et j'ai le droit de voir les choses de cette façon-là, la Ah oui. victoire, pour l'instant, moi, je pense que nous, on ne la vivra pas. Mais il est important de mener ce combat quand même, parce que derrière, il y a des gens qui ont des enfants, et ces enfants vont vivre, eux, dans ce monde transhumaniste et tout. Donc, il est aujourd'hui important de mener le combat pour essayer d'empêcher au maximum que cela arrive. Mais faut bien reconnaître que ceux qui ont mis ce programme en place et ceux qui ont mis ce plan en place, pour l'instant, sont en train de pas trop mal d'y arriver, quoi. Ce monde transhumaniste, justement, vers lequel ils veulent nous conduire, ils sont quand même en train de réussir à le mettre en place. Alors, moi, je peux pas prédire l'avenir. Je ne suis pas voyant. Je regarde juste la situation Lou, telle qu'elle est aujourd'hui ben, et où on Lou, essaye de nous conduire. concrètement, là j'ai parlé dans le choc des civilisations et de l'Afrique qui est un petit peu hors de propos. Est-ce que tu penses que pour le moment, par exemple, le problème des Africains, c'est le transhumanisme? Les Africains ne veulent pas du transhumanisme, ils ne veulent pas du LGBTisme, ils ne veulent pas de la vaccination, ils ne veulent pas de tout ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on est combien en France à en vouloir justement de cette intelligence artificielle, ce transhumanisme et tout ça? Est-ce qu'on en veut? On n'en veut pas, on n'en veut pas. Et effectivement, peut-être qu'ils le mettront en place. Oui, c'est possible. Peut-être qu'on est déjà effectivement dans un monde pire que celui d'Orwell, parce que dans le roman d'Orwell, au moins, il n'y a pas la vaccination obligatoire, alors que nous, on l'a. Donc c'est pire que Orwell. Alors, le 1984, c'est un paradis à côté de ce qu'on vit, nous, aujourd'hui. Mais je pense que la vie, c'est plus fort que la mort. Je suis désolé. Regarde ce qui se passe en Israël. Je ne sais pas si tu es au courant, mais les Israéliens, c'est un cauchemar ce qu'ils sont en train de vivre. C'est un cauchemar. Ouais, Il je y suis a au courant. 56% de vaccinés en Israël. C'est catastrophique. Ils ont des morts, ils ont des effets secondaires. Ils disent sortez-nous de là, etc. Tu sais, quand tu veux survivre, tu vas survivre. Même si c'est pas toi, tu vas survivre à travers ta descendance. Mais tu vas survivre. Moi, personnellement, moi, leur monde ne m'intéresse. Franchement, il ne m'intéresse pas. Je l'ai même dit à des policiers, je leur ai dit, vous voulez me mettre une balle dans la tête tout de suite? Parce que moi, je ne prendrai jamais la vaccination. Prenez-moi et mettez-moi une balle dans la tête tout de suite. Voilà. Et ça, ce discours-là, je peux t'assurer qu'ils n'aiment pas entendre ça. Donc, à un moment donné, nos carcasses, je suis désolé, on est bien misérables dans notre enveloppe charnelle, il faut bien y penser, on a quelque chose de plus grand en nous. Et c'est cette chose qui est grande en nous qu'on doit transcender pour justement générer une possible victoire. Si on commence à un moment donné se dire oui, mais ils vont faire comment dire, le pass sanitaire, il y aura l'intelligence artificielle, ils vont nous vacciner de force. Mais alors, putain, mais je suis désolé, on se noie, autant se suicider tout de suite. Hein, je suis désolé, moi je suis pas Ben suicidaire, non, hein, pas se perso. suicider tout de suite. C'est se battre jusqu'au bout, justement. C'est ce que tu disais, c'est se battre jusqu'au bout. Mais moi, comme je le disais tout à l'heure, un combat noble, je veux dire, si tu mènes un combat que tu es sûr de remporter et que tu as un combat que tu es sûr d'en voir la victoire, c'est un Mais combat facile, on pourrait dire. Voilà, c'est un t'es combat jamais sûr facile. de Mais remporter un là, combat. il faut bien se mettre en tête que le combat qu'on mène, on n'en verra peut-être certainement pas la victoire. C'est ça qui c'est de ce côté-là. Et c'est pas pour ça qu'il faut se dire que ça sert à rien de lutter. Maintenant, voilà, désolé pour le pessimisme, hein, que je témoigne aujourd'hui. Et heureusement que justement que Maximus est là pour faire la balance et La équilibrer un balance, petit bah peu oui. tout ça.
parce que voilà, je vois les, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir une malédiction de voir les choses arriver et elles finissent toujours par arriver, quoi. Mais tu sais, Lou, c'est très exactement ce qu'ils veulent, c'est de nous plonger effectivement dans une apathie et dans un pessimisme ambiant pour qu'on ne bouge pas. Et je vois beaucoup de gens qui me disent c'est foutu. Et je n'aime pas, moi, ce discours de la défaite. Il n'y a jamais rien de foutu, c'est pas vrai. Il n'y a jamais rien n'est Ouais, foutu. je suis C'est d'accord, foutu mais et quand c'est tu regardes foutu, les c'est autres, foutu. Attends, 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 c'est foutu quand tu quand tu regardes les commences à. moujons, tu te dis c'est foutu, quoi. Il n'y a pas que les moujons, il se passe des Ça. choses, il faut bouger, il faut aller dans les endroits où ça bouge un petit peu dans le bon sens. Il y a des choses qui se font, il y a des rébellions qui s'organisent, il y a pas mal de choses qui se font, il faut pas du tout être pessimiste. D'abord, on n'a pas le droit d'être pessimiste. Pour les jeunes générations, on n'a pas le droit. Moi, je ne laisserai pas ce monde mondialiste. Je leur laisserai pas. Je laisserai pas. Voilà. Demain, peut-être qu'on sera confronté justement à comment dire, à ces journalistes de plateau de télévision qui racontent des salades. Qui te dit qu'un jour on va pas débarquer à 50 dans un studio et qu'on prendra pas la parole en disant bon voilà les Français, voilà les choses telles qu'elles sont. Qui te dit qu'on n'aura pas peut-être des militaires avec nous, des policiers avec nous ce jour-là? Qui te dit qu'il n'y aura pas une bascule de certains politiciens qui auront tourné leur veste? L'avenir n'est pas encore écrit. C'est à nous de l'écrire cet avenir, mais il faut y croire, il faut commencer à le matérialiser. Si malheureusement on commence à se dire ouais ils ont de l'avance, c'est foutu, ils sont trop forts, ils ont pris le monde, ils vont nous. Non, moi je te dis Et franchement, tu sais on se pourquoi jette. moi en fait ces choses-là je les ai anticipées. Moi le combat je l'ai commencé il y a 4 ans. Il y a 4 ans déjà j'avais décidé de m'émanciper de ce système parce qu'il y a 4 ans déjà j'avais retourné le problème dans tous les sens et les 3/4 des conclusions que je tire aujourd'hui je les avais déjà tirées il y a 4 ans. C'est qu'on a beau retourner le problème dans tous les sens. Alors à l'époque moi j'étais très dans l'idée révolutionnaire justement. Je pensais une révolution va nous sortir de ça. Et quand j'ai continué à avancer dans la pensée, que j'ai étudié l'histoire des révolutions à travers le monde, et que j'ai vu que quasiment toutes les révolutions ont été manipulées, hein, il y en a vraiment très très peu qui font exception, voire même pas du tout, je crois. Donc toutes les révolutions qui ont marché, qui ont fonctionné, ont toutes été manipulées. Donc à ce moment-là, j'en ai tiré les conclusions de me dire, bon, voilà, j'essaye de m'émanciper de ce système au maximum et je suis conscient que c'est pas une solution qui est accessible à tous mais j'ai pas envie de retomber dans des phrases pessimistes. Oui, il y a un combat évidemment à mener. Il faut pas qu'on baisse les bras, il faut pas qu'on Maximus a raison. Voilà, Maximus a raison, il faut pas qu'on baisse les bras, il faut qu'on se galvanise et qu'on essaye de. Mais là où je voudrais insister, c'est qu'on essaye de mener ce combat justement de manière intelligente et de pas systématiquement tomber dans les pièges qui nous sont tendus. Parce que là, voilà, avec cette lettre des généraux que je mets en lien moi avec Rémi Daillé, Monsieur K aussi mettait ça en lien avec Rémi Daillé. La suite de l'histoire, là, il y a une suite du scénario qui arrive. Hein. L'introduction de Rémi Daillé de manière médiatique et cette lettre des généraux qui arrive exactement au même moment, plus la diabolisation de ce qu'on va dire, les gens qui cherchent à trouver une solution qualifiée de complotiste, parce qu'on essaye de trouver une solution face à quelque chose qui est mis en place. Et nous, on en est conscient de ça, qu'il y a quelque chose qui est mis en place, on le voit se faire. Eh bien, c'est un combat qu'il va falloir mener intelligemment. Une fois encore, la solution, je ne l'ai pas. Je continuerai à chercher, je continuerai à réfléchir. Si un jour quelqu'un a une solution, je veux bien qu'il vienne me l'exposer ou qu'il me l'envoie par mail. Vous avez mon adresse mail loukichante@gmail.com La solution, et on continue, tu sais qu'est-ce ensemble, que quoi. c'est la solution aujourd'hui, je vais te le dire, c'est d'être un homme de courage. Il n'y a pas 50 000 d'être exemplaire. Parce qu'à partir du moment où toi, tu représentes un exemple, il y a des gens qui ont envie comment dire, de copier ce que tu fais parce que tu seras un exemple. Mais si, sur le plan énergétique, tu te laisses aller, tu peux pas y arriver. Enfin, moi, personnellement, moi, j'ai pas envie de me laisser, déjà, j'ai pas envie de me laisser aller. Je suis désolé. Moi, je me suis repris en main. Putain, j'ai fait un travail énorme comment dire, de changement physique et depuis des années déjà, et je peux t'assurer que moi, si j'avais écouté les médecins, Lou, je pèserais 200 kilos, peut-être que je serais mort, j'aurais eu 3 opérations, une du genou et 2 à la cheville, enfin une opération sur chaque cheville, et je serais
probablement avec un pilulier plus grand que ma tête à avaler je ne sais combien de pilules. La vérité, c'est quoi? C'est qu'on peut se régénérer, on peut se Mais régénérer. sur ça, je suis d'accord, Maxime, et Et sur ça, je voulais pas. la régénération, elle est aussi cosmique, elle est métaphysique. Elle est métaphysique, Je cette sais, régénération. j'ai connu ça, Maxime, et sur ça, je Et voulais nous, pas on est, rentrer attends, tout à nous l'heure dans. collectivement, nous sommes des pôles énergétiques les uns avec les autres. Et si nous avons cette foi en nous, et si nous avons ce courage en nous, ça va inverser, ça agit sur la Sainte Providence, ça agit, ça envoie des bonnes énergies. La foule, elle est contrôlable que quand elle a peur aussi, ça c'est vrai. Mais il ne faut pas des grandes foules, parce qu'on sait très bien que les grandes foules, comme le dit Gustave Le Bon, elles sont manipulables. On le sait, il faut des petits noyaux. C'est pour ça que moi, quand je vais dans des manifs, je vais dans des petites manifs où on conscientise. Voilà, c'est tout. Et à partir du moment où tu conscientises, ça fait le travail. Tu vois, quand tu as les gendarmes qui tendent l'oreille, les forces de l'ordre qui tendent l'oreille, ils écoutent ce que tu dis. Et crois-moi, ça les fait. Le soir, le mec, il se couche, il a entendu des choses. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un moment donné, il ne faut pas perdre espoir. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Moi, je ne laisserai pas le diable gagner. Je suis désolé. Moi, je me battrai. Moi, je personnellement, Satan va des rétros. Je suis désolé. C'est Soros, c'est Bill Gates, c'est leur vaccination, c'est leur test PCR. Et ben, tout ça, c'est diabolique pour moi. Et je le combattrai, même si je dois y laisser ma peau. Voilà, je le dis. C'est comme ça. Voilà. Et quand on sera une poignée déterminée comme les 300 Spartiates aux Thermopyles, peut-être qu'on y laissera notre peau, mais ça donnera peut-être envie aux 10 000 Grecs derrière de se lever. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et c'est comme ça que ça marche. C'est le cours de l'histoire. Moi, j'ai pas besoin de vivre dans leur monde transhumaniste avec des puces. T'as vu les mecs qui se sont fait vacciner là récemment? Eh ben, tu mets une petite pile sur la peau du mec et la pile, elle tient. Qu'est-ce qu'ils ont collé dans le corps Non, du gars pour faut que ça puisse coller? faire attention à ces Ah, je sais vidéos pas. là. Ah bah moi je sais pas. Je me suis penché dessus. Non, faut faire Je sais pas. attention à ces vidéos et pas justement vérifier ces trucs-là avant non, ça Ça peut être moi pour ça peut être faux, hein. Ça peut être ouais, faux, hein. moi Ça pour moi c'est du fake qui nous est possible. introduit justement pour qu'on en parle et pour qu'on se décrédibilise. Comment dire? Ouais, je voulais pas rentrer justement comment dire, la vision, non, le rapport philosophique qu'on peut avoir à la mort. Je suis d'accord avec toi, Maximus, on se régénère, c'est une chose. Moi, en 2004, hein, j'en ai parlé la dernière fois dans un direct un peu privé, on me donnait pas 10 ans de plus. Donc je devrais normalement, selon les médecins, être mort depuis 2014. Et puis on est toujours là, hein, et puis on continue à avancer. Donc oui, évidemment que rien n'est jamais D'ailleurs. complètement perdu, mais il faut j'insisterai sur le fait qu'il faut il faut qu'on continue que la première des révolutions d'abord elle est intellectuelle. Il faut qu'on soit intelligent dans notre combat et c'est voilà pour moi c'est le point primordial. Tout à fait. Donc je vais revenir au livre parce qu'il y a des gens qui réclament effectivement qu'on revienne un petit peu au livre et c'est pas faux. Et là, je tombe sur un chapitre très intéressant. Les Français sont plus attachés à leur culture que racistes à proprement parler. Et c'est Samuel Huntington qui le dit. Donc je pense qu'effectivement, ils sont en train d'essayer d'activer une forme de racisme vis-à-vis des minorités, puisque quand on divise, ben forcément on va fragmenter, et en fragmentant, automatiquement on va créer des états de tension. C'est d'ailleurs ce qui fait. Toute la politique mondialiste et révolutionnaire repose, un révolutionnaire au sens de changement de société, changement de civilisation, repose là-dessus. Donc, ben Huntington, dans tout ça, ben on va revenir un petit peu à lui quand même, parce qu'il y a de très, très, de très bons passages intéressants sur le rôle de l'Occident, qui reste quand même un des pôles les plus forts sur le plan civilisationnel, à travers notamment le fameux contrôle des ressources dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous verrez que il y a beaucoup de pays qui vont finir par se déchirer, et ce qui occasionnera une recomposition culturelle de la politique globale. Et je pense que l'Afrique va jouer un rôle de plus en plus important de toutes les façons dans les années à venir, parce qu'il y a un désir d'émancipation quand même assez flagrant et une dénonciation de plus en plus vibrante de la mainmise
j'ai envie de dire l'Occident, la France en particulier, enfin la France-Afrique plutôt, sur l'Afrique et les Africains veulent sortir de cette tutelle. Pour l'instant, ça vient tout doucement, ça monte tout doucement, Je ne mais sais ça ne pas veut si pas tu as dire. vu en parallèle, c'est la Chine qui est en train de mettre la main sur beaucoup de Oui, trucs mais en pourquoi? Afrique. Alors pourquoi la Chine met la main sur essaie d'ailleurs essaye de grignoter des parts de marché justement à la France et aux États-Unis? Parce que les Chinois, quand ils arrivent, ils disent pas on va organiser des élections, on va t'imposer les droits de l'homme et surtout on va te demander qu'est-ce que tu fais pour la défense des LGBT. Ça, c'est pas le discours des Chinois. Les Chinois, ils arrivent, ils te disent nous, on a besoin de ça, combien tu nous le vends? Voilà, terminé. Le reste, ils s'en occupent pas. Alors que la France, elle vient, et elle, ou la France, ou même les États-Unis, et ils disent, oui, l'opposition, elle n'a pas le droit de s'exprimer, les LGBT sont persécutés, un tel, il est là depuis 20 ans, il faut organiser des élections. Ça, c'est la France. La France, c'est ce qu'elle fait, d'accord? Donc, on voit que c'est un mensonge, et il y a une certaine hypocrisie, d'ailleurs, et les Africains l'ont très, très bien compris, entre autres, parce que le mouvement panafricaniste de Kémi Séba a fait un travail assez important aussi pour réveiller la conscience panafricaniste. Ma foi, ça donne quand même quelques bons résultats et on entend même certains dirigeants africains, tout francs-maçons et initiés qu'ils sont, dire oui, il faut que l'Afrique, à un moment donné, développe sa propre industrie et tire son épingle du jeu en s'affranchissant des grandes puissances euro-occidentales et asiatiques de l'ordre du monde. C'est intéressant, c'est intéressant. Faut pas oublier que l'Afrique est aussi un contrepoids à Big Pharma aussi quelque part. D'accord? Puisque les Africains sont beaucoup plus attachés à une médecine naturelle que les Occidentaux qui font confiance à leurs officines. Vous voyez? Quand je dis officine, je le dis dans les deux termes, hein, je parle de pharmacie et je parle de loge. Hein, parce que la grande officine nationale qu'est la République française, elle est bien écoutée et elle est bien obéie, comme parce que tu disais le moujon, effectivement. Mais le moujon, s'il veut survivre, il n'aura pas le choix, il devra devenir intelligent. Parce que quand il aura été trompé lui aussi par ces inoculations, hein, on va dire ça comme ça, et autres mensonges à visage sanitaire, eh bien, le moujon, à un moment donné, il dira, j'ai tout perdu, je suis ruiné. On le voit d'ailleurs avec les restaurateurs, hein, quelque part. Hein. Parce que, Allez. excuse-moi de te couper, Maximus, mais justement, vu qu'on a bien discuté, c'était super intéressant et tout. Là, tu parles de Moujon. Merci à ceux qui ont trouvé le fait qu'on s'oppose un peu, tout ça intéressant. Voilà, vous avez vu, hein, moi, je vous l'ai dit, je discute avec plein de gens. Maximus, je suis pas d'accord avec lui sur tout, il est pas d'accord avec moi sur tout. Et c'est bien de pouvoir confronter justement les idées dans le respect. Et je vois qu'il y a des gens qui ont trouvé que c'était assez riche dans le chat et que ça leur permettait justement de se forger une opinion. Juste parce que tu as cité les moujons, là j'avais chargé une vidéo sur le serveur juste avant qu'on démarre le direct. Ça prend vraiment quelques secondes. Regarde, regarde ça. Oui, mais là on est dans les villes. Et pas dans les campagnes, dans les Ouais, campagnes ça d'accord, fonctionne. d'accord, mais tous bien en rang à respecter des barrières virtuelles, parce qu'en fait il s'agit d'un dessin au sol. Voilà, moi Oui. je trouve l'image très très parlante de la Mais société ça dans se laquelle passe on où vit. ça? C'est ça, Ça se passe en c'était France? Non, je crois que c'était pas en France, c'était aux États-Unis, il me semble. Mais le truc qui est intéressant de se dire, en fait, là-dedans, c'est que si même nous, on arrive là-dedans et on voit ça, on voit cette queue qui se fait en serpentin, il n'y a pas de barrière. Quelque part, moi, objectivement, quand je regarde le truc, j'arrive et je vois ça dans le centre commercial, je vais m'y conformer. Je vais arriver parce que si je passe devant tout le monde, si je traverse le truc en plein milieu, t'as tous les moutons qui vont te sauter dessus pour te dire non, c'est pas normal, il faut faire la queue, faut. Et voilà, je veux dire un petit peu le piège. Je veux dire, cette vidéo, elle est intéressante à un tas de niveaux. Et que surtout quand on se projette dedans, c'est le piège du conformisme auquel les autres vont nous ramener de toute façon, même si on décide de ne pas se conformer. Voilà, je trouvais vraiment cette petite vidéo intéressante. Juste à comprendre et une fois encore à s'y confronter. Celui qui va couper la ligne et qui va traverser en travers pour aller devant tout le monde, mais tous les autres vont lui tomber dessus. Tous les autres. Alors qu'il n'y a pas de barrière.
Voilà. Les barrières, elles sont Oui, dans nos têtes, une fois encore. je sais bien, mais c'est toujours la même chose. Oui, ils vont obéir docilement à des trucs aussi stupides que ça, mais je te rappelle que dans les aéroports, il y avait des tansa-guides et les gens, pareil, ils suivaient effectivement le parcours, comme à Disney ou dans un parc, enfin dans un parc d'attractions, ils te font des trucs comme ça, tu suis un peu la file. Donc les gens, quelque part, ils sont aussi conditionnés par tout ça. Et plus tu vas aller dans les endroits où tu vas avoir des masses de gens, justement, qui vont être dans les villes, ça veut dire quelque part qu'ils vont être déconnectés, et plus tu vas avoir ce genre de comportement stupide et grégaire. Alors quand tu vas t'éloigner un petit peu de tout ça et tu vas revenir un petit peu au réel en te rapprochant du naturel ou en étant dans les campagnes, ce genre de comportement, tu en seras prémuni. Donc moi personnellement, ça me surprend pas parce qu'on peut faire bien pire. Moi je suis sûr que si je sais pas, moi, on impose un truc aussi stupide que de passer dans un tunnel pour enfants et de se mettre à quatre pattes. Les gens le feront pareil. Donc, je suis pas T'avais vu cette surpris. vidéo où il y avait un mec avec un rouleau autocollant pour, tu sais, les trucs pour retirer les poils des chiens sur les vêtements. Le gars, il s'était placé à l'entrée d'un magasin comme ça avec son rouleau autocollant et il disait aux gens d'écarter les bras pendant la pandémie, là. Il passait le rouleau autocollant sur les bras et puis après, hop, au suivant. Les gens, ils rentraient et les gens le faisaient. Les gens écartaient les bras et se faisaient passer ce rouleau autocollant. Mais, c'est-à-dire, voilà, il y a plus de le conformisme, je crois justement, et la soumission à l'autorité, c'est vraiment les clés de compréhension de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et comment expliquer qu'à un moment, il va falloir qu'on arrête de se conformer, il va falloir qu'on arrête de soumettre et que, je sais pas, tu vois, parce qu'ils ont fait des moutons en fait aujourd'hui des bergers. C'est nous-mêmes qui sommes les propres bergers de notre mise en esclavage. C'est pour ça que je te dis, le problème, il est extrêmement complexe. Et quand tu as conscience de tout ça, de tous ces mécanismes, de tout ce fonctionnement, et de voir tout le temps Mais il faut pas voir, systématiquement cette masse au milieu qui non mais suit, il ne ah. faut pas voir les milliers de moutons qui obéissent, il faut voir les quelques camarades qui sont avec toi dans un esprit de rébellion à tout ça. Moi, ces gens-là m'intéressent pas, en fait. Moi, je préfère être justement avec des frères de rébellion, même si on est cinq, même si on est six, plutôt que d'être avec des millions de gens comme ça. Et c'est là où, effectivement, on va diverger. Parce que, pourquoi on va diverger? Parce que, ce sont les forts qui vont survivre. Ce sont pas ceux qui suivent. Ceux qui vont suivre, ils iront à l'abattoir, on le sait très très bien. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Ceux qui vont survivre, c'est ceux qui sauront résister. Dans tout, c'est tout, point à la ligne. Et peut-être qu'ils tomberont au combat. Mais moi, je me situe plutôt du côté de ceux qui se rebellent, de ceux qui survivent. Moi, je ne regarde pas tous ces gens-là qui suivent comme des bebeux et qui suivent quelque chose qui n'existe pas, une ligne imaginaire. Moi, je ne les regarde pas. Et moi, je suis toujours à contre-courant. Je le sais très bien, ce comportement. Je l'ai pu l'observer à l'aéroport des milliers de fois, de voir un filtre qui est ouvert où il n'y a personne et un filtre qui est plein. Et ben, où est-ce qu'ils vont, les gens? Ben, les gens, ils vont là où c'est plein. Toi, alors que toi, ton filtre, il n'y a personne au contrôle, ils pourraient venir là. Et ben, ils viennent pas. Et il suffit qu'il y en ait un qui se rende compte que ton filtre, il est libre, il vient, et ben, tous les autres le suivent. Ça a toujours été ça. C'est comme quand tu es sur la route, tu as une file qui roule bien, une file qui roule bien, elle est vide. Et tu vois, les gens, ils sont tous sur la même file, à s'entasser les uns derrière les autres parce qu'il y a un camion qui dérange juste devant. Ben moi, je dépasse et je passe sur la file comment dire, de gauche. Et puis après, tu en as toujours deux, trois qui embrayent et qui te suivent. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été. Les gens, c'est des suiveurs. Tu ne pourras pas les changer. C'est comme ça. Mais moi, je regarde pas ces gens-là. Moi, je développe mon esprit de compréhension. Je parle en vérité et je suis rebelle à cet ordre mondial. Point. C'est ça que je regarde. Je regarde qui est rebelle à l'ordre mondial. Si on est 10, on est 10. Si on est 5, on est 5. Si on est 2, on est 2. C'est pas grave. On fait avec. Moi, j'ai pas besoin des millions de crétins qui me suivent. J'en ai rien à foutre. Exactement, Camida. La sélection naturelle se chargera de les placer là où ils doivent être placés, c'est-à-dire dans les vaccinodromes, et ça a déjà commencé. Eh bien, c'est comme ça, voilà.
Alors, Louis-Marie, tu me disais non, le conformisme, pardon, c'est de faire ce qui est conforme. Et là, c'est du délire. Non, non, le conformisme, c'est pas de faire ce qui est conforme. Moi, le terme de conformisme que j'utilise, c'est vraiment par rapport aux expériences qui ont été faites sur le conformisme. C'est-à-dire, c'est de voir que quand le groupe va prendre une décision, que toute l'intégralité du groupe fait une même chose, eh bien, les gens qui sont sur le côté à part de ce groupe vont se conformer à ça. Ils vont se conformer au groupe, même si ce que le groupe fait est stupide. Et là, il faut vraiment voir comment dire, l'expérience de H, elle s'appelle, sur le conformisme, et voir que ça fait partie clairement de la psychologie humaine. Je veux dire, ça a à voir avec le fait que le groupe survit. Et le groupe survit parce que les gens sont ensemble, justement. Et quelqu'un qui est exclu du groupe, ben, a peu de chances de survivre. Quelqu'un qui est exclu du groupe, déjà, se retrouve seul et ne se reproduit pas. Et on est tous les descendants, quelque part, de ceux qui se sont conformés. Parce que ceux qui ne se sont pas conformés n'ont tout simplement pas survécu. Donc ce programme du conformisme, il est chez nous, mais il est même chez les animaux, il est partout. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que les gens qui ont étudié la psychologie justement dans ce sens-là, et les gens qui dirigent, voilà, voir le documentaire sur Tavistock Institute pour bien comprendre tout ça, les gens qui dirigent ont étudié ces comportements psychologiques de masse et savent s'en servir contre nous. Donc oui, il faut sortir du conformisme. Oui, à un moment, il vaut mieux, comme le dit Maximus, être avec deux, trois potes qui sont non conformistes et qui sont des je sais plus comment t'as dit, Maximus, des camarades de combat, quoi, plutôt que de se sentir au milieu de la masse et de se conformer à ce que va faire stupidement la masse, quoi. Pour moi, c'est pour ça que je dis que c'est intellectuel. D'abord, la première des révolutions, c'est dans nos têtes qu'elle doit se passer, et ensuite, elle pourra se passer sur le terrain. Mais il faut bien comprendre d'abord tous les mécanismes et les pièges dans lesquels on a été enfermés, tout ce qui est utilisé contre nous, et désamorcer ces trucs-là avant de pouvoir mener le combat intelligemment. Mais bien sûr, et c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'il ne faut pas désespérer, parce que plus en réalité ça se durcit, plus les questions de survie vont être de plus en plus évidentes. Donc, survivre, c'est aussi comprendre. Comprendre. Et à partir du moment où on va se forcer à comprendre et qu'on va douter, là, on va être en capacité de survie. Oui, évidemment que, il y a toujours des gens qui voudront rester dans l'ancien monde, mais en vérité, il a déjà disparu, l'ancien monde. Il est fini, l'ancien monde. Ils vont l'abattre, hein, ils vont le terminer. Hein. On parle de plus en plus maintenant de mettre en place, enfin, l'économie telle qu'on l'a connue anciennement, c'est-à-dire l'économie issue du capitalisme industriel, c'est fini tout ça. C'est terminé. On va aller vers la civilisation eugéniste, transhumaniste, malthusienne, comment dire, avec de l'intelligence artificielle, avec du génie génétique, on va aller vers ça. Donc ça a changé. Les gens choisiront d'être des cobayes s'ils veulent, ou d'être bah, d'être des prisonniers, parce que c'est ça, c'est ce qu'on est aujourd'hui. Hein. On n'est plus dans le confinement. C'est-à-dire qu'ils ont traduit ça par confinement, mais c'est lockdown. Lockdown, c'est incarcération. Et un pote me disait, on n'est pas dans un lockdown. Hein. Désolé pour les anglicismes. On est plutôt dans un lock-up. C'est-à-dire enfermement carcéral sous haute sécurité. C'est vraiment ça. Donc, la vérité, quand on voit des hélicoptères qui survolent la région parisienne et on se demande ce qu'ils cherchent très exactement, est-ce qu'ils regardent s'il y a des mouvements de foule la nuit? Je ne sais pas ce qu'ils regardent. Mais en tout cas, croyez-moi que derrière, les autres, ils ne sont pas tranquilles. Ils ne peuvent pas être tranquilles. Et quand on dira, nous savons que Macron n'est pas aux commandes de l'Élysée, nous savons que Macron n'est que le faire-valoir de la finance internationale, nous savons que dans cette finance internationale, il y a des plans qui ont été établis depuis la trilatérale, depuis Bilderberg, depuis le CFR, et que ça rentrera dans les têtes et que les gens sauront parfaitement ce qui se passe, on aura envie de reprendre notre pouvoir, et reprendre notre pouvoir, ça commencera par dire à ces gens-là, vous savez, la dette, vous allez vous la mettre où on pense. Aujourd'hui, on reprend notre souveraineté, on rebat notre monnaie, on reprend le contrôle de nos frontières, et les banksters, s'ils mettent un pied sur le territoire, on les colle en prison. Mais pour ça, il faut une coopération. Pour ça, il faut un éveil des peuples. Et pas que la Ouais, France. le Là, Baudelaire 27 l'avantage. qui dit, pardon, je croyais que t'avais fini. Attends, l'avantage, c'est que
La France, c'est quand même un modèle. Donc, si cette chose-là se passe en France, elle pourra faire tache d'huile ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut effectivement qu'on arrive à démougeoniser les Français. Et c'est vrai que c'est pas demain la veille. Je suis d'accord. Baudelaire 27 qui dit non, je pense que l'on va se diriger vers le localisme. Je suis assez d'accord avec ça. Je pense que d'abord les véritables petites embryons de foyers de résistance qui peuvent se mettre en place et pour ensuite justement petit à petit prendre de l'ampleur et devenir une véritable résistance solide et autonome face à ça, ça va être à un niveau local. Il faut vraiment que les gens s'organisent à un niveau local pour prendre contact entre eux et le Discord sert à ça aussi. Alors, je sais que c'est pas évident parce qu'on n'est pas encore suffisamment nombreux, mais le Discord sert à ça aussi, à ce que les gens puissent localement rencontrer près de chez eux des gens qui pensent comme eux et pouvoir s'organiser déjà en microcosme au milieu de cette masse de moujons, pardon pour le terme, mais voilà, je trouve toujours pas de terme plus exact. Et au moins quand on dit ça, tout le monde comprend. Et il ne tient qu'à eux de sortir de cette condition de moujon Ben, nous, quelque part déjà, aussi. regarde, on diffuse la vérité. Regarde, moi, comment dire, les propos de Kissinger, moi, tu vois ce que je veux dire? Je les montre en manifestation. Je fais prendre connaissance aux gens de ce qu'a dit Attali. Et c'est comme ça qu'on va y arriver, parce que on sait que tout ça a été prévu de longue date, mais il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Alors, les gens tombent de haut quand on leur montre. Mais c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ce qu'il faut faire. Chacun à son propre niveau, c'est une guerre de l'information. C'est là que ça se joue. Si plus vous allez diffuser d'informations, et plus les autres ne seront plus dans l'ignorance, et plus ils pourront prendre les bonnes décisions, évidemment. Vous avez toujours les sociotraîtres syndicats qui, évidemment, eux feront toujours tout pour que l'information ne se sache pas. Mais si vous êtes avec le peuple et que le peuple, son intérêt, c'est savoir à quelle sauce il doit être mangé, eh bien, c'est à vous aussi de dire, regarde, il existe ça, un tel a dit ça, tel livre parle de ça, tel médecin fait ça, tel traitement existe, etc., etc. C'est tout. Tout le problème, il est là, c'est que beaucoup de gens qui détiennent une part de la connaissance, souvent, bah, ils ne la partagent pas. Alors, comme ils ne partagent pas cette connaissance, parce qu'ils ont peur, effectivement, qu'il y ait de la tension et de la dissension et que ça crée de la discorde, bah, ben, ils se sentent un peu isolés parce que, ouais, mais je sais pas, j'ose pas en parler. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Oui, mais moi, ça, j'ose pas en parler. Mais tout notre problème, il est là, c'est que quand on sait quelque chose, eh bien, il faut s'arranger pour que l'autre en prenne connaissance. C'est tout notre talent, enfin, tout notre salut, plutôt, il sera là parce que les médias mainstream, eux, ils ont une résonance facile, c'est que ils n'ont pas besoin de se déplacer en manif pour délivrer en fait des messages, puisque chacun a la télévision chez lui, il allume la télé et peut entendre la propagande. Il peut l'entendre. Mais les gens ne connaissent pas la charte de Munich, les gens ne connaissent pas, par exemple, Samuel Huntington, le choc des civilisations, la commission trilatérale. Il y a même des gens, moi j'ai rencontré encore des gens qui ne connaissent pas le club de Bilderberg. J'en ai rencontré encore aujourd'hui. Aujourd'hui, ça existe. Aujourd'hui, ça existe. Les gens ne savent pas que Nicolas Sarkozy a fait retirer de la Constitution le crime de trahison. Les gens ne le savent pas, tout ça. Il y a plein de choses que les gens ne savent pas. Donc, si vous savez des choses, bah, déjà, comment dire, répercuter l'information, c'est déjà la base. C'est la base. C'est la base avant de se lamenter. Enfin, c'est tout. Moi, c'est ce que je fais à travers les conseils de lecture. Bon, je vous fais connaître des livres, je donne mes points de vue, etc. Des fois, on parle plus de certains livres que d'autres. Mais moi, ce qui m'intéressait, j'ai pas trop parlé du livre parce que d'abord, le livre est un livre de géopolitique, d'abord très, très dense. Il y a beaucoup de choses dedans, vous verrez, si vous le lisez. Mais ce livre, il peut conserver encore une certaine pertinence, mais les lignes ont déjà bougé depuis longtemps. Si j'ai choisi ce livre, Le choc des civilisations, c'était pour le replacer dans le contexte où on a des Zemmour, où on a des généraux qui viennent nous expliquer que le problème du pays est lié en fait au fait que les banlieues s'agitent et qu'elles deviennent des poches possibles de guerre civile. Mais si les banlieues deviennent des poches de guerre civile, c'est parce que les pouvoirs publics auront voulu que ça se passe ainsi. C'est surtout ça qu'il faut dire. Voilà, c'est que ça se fera avec l'accord des pouvoirs publics. On le sait très très bien, on le sait. Donc, il faut pas tomber, il faut pas être dupe. Moi, j'entends beaucoup de personnes qui me disent, ouais, il y en a marre, les Maghrébins nous détestent, etc. J'entends ça, hein, en ce moment. Ils peuvent pas nous saquer, etc.
Et on est obligé d'apporter des propos contradictoires et pour tempérer, si tu veux, parce que tu as des gens qui se laisseraient aller à la haine, quoi. Tu vois ce que je veux Mais dire? Et le ça piège, peut il est monter vite. tendu. Le piège, il est tendu des deux côtés, là. On a fait rentrer des populations étrangères en France pendant des années, et en même temps, on leur a éduqué et on leur a appris à détester la France. C'est vraiment l'éducation qui leur a été donnée. Je sais, j'ai grandi au milieu de ça, donc personne ne pourra me dire le contraire. On a vraiment éduqué les gens à détester la France. Et aujourd'hui, les Français qui se sont fait traiter de racistes en même temps qui faisaient rentrer toutes ces populations étrangères en France, aujourd'hui, on est en train de valider leur colère et de leur désigner comme étant le problème, ceux qu'ils ont accepté. Et aujourd'hui, on est en train d'éduquer les Français à devenir à détester justement l'autre et à rentrer dans ce choc de civilisation. Donc oui, le choix du livre, il est parfait par rapport à la situation qu'on vit actuellement, et c'est un nouveau piège dans lequel il va pas falloir tomber. Parce que c'est C'est clair. on a vu comment il fonctionne. Je veux dire, il suffit de regarder la séquence médiatique au cours de cette dernière année. On a eu quoi? On a eu le premier confinement. À la fin du premier confinement, stop, boum, on parle plus de Covid. Allez, il y a une nouvelle séquence médiatique qui démarre. C'est quoi? C'est l'affaire George Floyd avec des manifestations à travers le monde entier, comme quoi les Noirs se font tuer, c'est pas juste. Et puis le Covid s'est passé à la trappe. Derrière, on termine cette séquence médiatique, on reprend sur le Covid, en saupoudrant un petit peu à droite à gauche d'attentats terroristes et tout ça. Et derrière, ce qui arrive maintenant, là, c'est l'éducation du français à détester l'étranger, voilà, qui l'a fait rentrer dans son pays. Tout ça, pareil, on a cette espèce de schizophrénie. C'est au début, j'accepte parce que j'ai pas envie de me faire traiter de raciste, mais après, une fois qu'ils sont là, les médias vont me dire, ah, maintenant c'est bon, tu as autorisation de les détester, tu as autorisation de les sentir responsables de tout ça. Et comme je l'ai dit, la haine, elle a été fabriquée des deux côtés. Hein. Elle a été fabriquée du côté de l'immigré qu'on a fait venir en France et qu'on a appris à détester la France. Et maintenant, elle est en train d'être fabriquée du côté du français. On va lui désigner l'immigré comme étant le responsable de tous les maux qui arrivent dans ce pays, comme étant un danger demain. Et même, pourquoi pas, allez, responsable de la situation économique, tant qu'à faire. Allons-y. Ce qui en plus n'est pas totalement faux. Je veux dire, normalement, un pays qui fait rentrer de l'immigration, c'est parce qu'il y a de l'emploi. Nous, on a fait de l'immigration pendant des années et des années, alors qu'il n'y avait pas d'emploi chez nous. Il y avait du chômage. Donc, ben voilà, c'est le piège est tendu, le piège est devant nous, le piège est gros. À nous de pas tomber dedans. Voilà, je terminerai avec ça, moi. Après, il nous reste 5 minutes, Maximus, là, si tu veux conclure. Oui, alors je vais revenir quand même au choc des civilisations, le livre pour le coup, où dans, je vais essayer d'être précis et d'être concis dans ce que je dis. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même pour Huntington, par exemple, l'immigration, c'est quelque chose qui a dicté le destin de l'histoire, justement, et que, il y a toujours eu, si tu veux, en Europe et ailleurs, et principalement en Europe, l'introduction de gens qui venaient d'ailleurs. Donc, les Occidentaux ont fait certaines conquêtes. Ils sont allés au Maghreb, ils sont allés en Afrique, ils sont allés en Inde, ils sont allés un petit peu partout. Et puis, à un moment donné, il s'avère qu'avec l'essor du capitalisme, on a besoin de main-d'œuvre. Or, cette main-d'œuvre immigrée, elle a forcément moins d'exigences que, par exemple, la main-d'œuvre locale, qui, elle, peut considérer que, par exemple, au niveau du salaire, eh bien, le compte n'y est pas. Elle peut exiger, par exemple, de meilleures conditions de travail avec effectivement une meilleure rémunération. Ce que ne va pas poser spécialement comme revendication première quelqu'un qui est issu, par exemple, de l'immigration lorsqu'il va occuper un emploi. Hein, parce qu'il sera quand même content déjà d'avoir un travail et d'avoir un moyen de subsistance et une rémunération. Donc, sa revendication, ça ne sera pas de dire je suis mal payé, je veux de meilleures conditions de travail. Donc, on sait très bien que le capitalisme avait besoin de cette courroie de transmission et avait besoin de cette force de travail pour pouvoir faire, pour le coup, une balance avec le travailleur local qui, lui, pouvait prétendre effectivement à certaines exigences. Donc, pas de problème. Donc, ça a été effectivement les ouvriers du Maghreb et d'Afrique dans les usines Renault qu'on a fait venir pour effectivement faire travailler sur les chaînes de montage. Ces gens-là, effectivement, étaient contents parce que leur objectif, c'était toujours
on travaille et puis quand on a assez d'argent, eh bien, on retournera au bled. Moi, je suis issu d'une génération où mes camarades me disaient, de toute façon, avec nos parents, on va repartir en Algérie, on va repartir en Tunisie, on va repartir au Maroc. Et comme je l'ai déjà dit dans un précédent live, en réalité, personne n'est reparti et on s'est retrouvé avec des gens issus de l'immigration maghrébine, africaine, chinoise, asiatique, ce que tu veux, qui finalement bah, ont rencontré une femme, ont fait leur vie, ont eu un travail, ont eu des enfants, des petits-enfants, etc., etc. Donc personne n'est reparti, puis tout le monde est devenu français avec le droit du sol. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Cette immigration, elle a continué, elle a été encouragée, malgré que effectivement, peut-être qu'il y aurait dû y avoir une politique et une géopolitique en accord avec les pays qui justement envoyer des masses immigrées vers l'Europe pour dire, bon, bah là, nous, on a un certain quota, on a des crises liées comment dire, au secteur industriel ou aux emplois qui ne peuvent pas être pourvus parce que on est dans un chômage structurel, parce que c'est structurel, eh bien, automatiquement, mais il aurait fallu que les États soient souverains. Mais comme les États ne l'étaient pas, l'immigration a arrangé, évidemment, les projets mondialistes. Donc, puisque il faut savoir que les mondialistes internationalistes comme Rockefeller, Soros, Bill Gates, etc., combattent le fait national, ce qu'ils appellent populiste. Ils n'en veulent pas de ça. Donc c'est pour ça, effectivement, qu'il y a eu ce renversement des trônes, des têtes couronnées, puisque la souveraineté ne pouvait être dévolue, en réalité, qu'à un pouvoir occulte. Or, un pouvoir visible, un pouvoir monarchique, c'est un pouvoir exotérique, c'est-à-dire qu'il est visible. Or, le pouvoir devait être ésotérique. Et là, ce sont les banques, les multinationales, les loges maçonniques, les lobbies communautaires, etc., qui, justement, contrôlent en substance, en arrière-plan, ce que va être et la politique du pays, y compris dans le cadre de l'immigration. Donc, sur ça, Huntington, évidemment, parle de la préoccupation des Européens, justement, sur le fait qu'effectivement, une certaine immigration, et là, pour le coup, musulmane, poserait quand même une problématique comment dire, une problématique en termes de questionnement et de continuité civilisationnelle. Donc, Huntington expose effectivement dans un chapitre complet là-dessus sur le fait que les Français sont pas des racistes, mais ils sont quand même attachés quelque part à une certaine identité historique de la France qui a été coupée, je rappelle, avec la République française, et que on a vu derrière la politique de la trahison des partis politiques justement utiliser souvent l'immigration et l'immigré comme un faire-valoir. Pour pouvoir faire passer certaines mesures, que ce soit la gauche comme la droite. Autant la droite, voire le Front National, pour porter des revendications nationales identitaires, et autant la gauche ou l'extrême gauche pour porter des revendications victimaires, minoritaires et comment dire et sociales. Donc en réalité, le jeu, il a été des deux côtés, en fait. Ouais. Alors que la réalité de tout ça, c'est que ces politiciens républicains de droite et de gauche, en réalité, se foutaient bien de l'immigration. Au contraire, ils avaient un certain mépris. On se rappelle de Madame Balkany, Isabelle, j'allais dire Elisabeth Balkany. J'allais faire un mix Elisabeth Lévy et Isabelle Balkany. J'imagine que si on fusionne ça doit pas être très joli, en fait. Mais en fait, je parle bien de Madame. Pour le coup, Isabelle Balkany qui appelait Ne fais quelqu'un pas des qui disait, chimères, là. ouais, c'était Grindry, elle l'appelait Grindry et Hortefeux qui disait quand il y en a un ça va, quand il y en a plusieurs bon voilà. Donc on voit que l'arrière-fond, si tu veux, de ces gens-là, c'est quand même à un moment donné comment dire, de considérer celui qui n'est pas forcément européen comme un sous-homme quand même. Je suis désolé parce que quand on dit Grindry à un asiatique, c'est un peu péjoratif, de la même manière que quand un Hortefeux il dit comment dire en parlant d'un maghrébin qui était d'ailleurs à l'époque c'était encore l'UMP je crois. Oui, quand tant qu'il y en a un ça va, Ça va, etc. Bon, c'est quand il y ouais. en a beaucoup qu'il y a des problèmes. Voilà, c'est quand il y a des beaucoup qu'il y a des problèmes. Donc le fond de tout ça, Hortefeux d'ailleurs, qui allait dans les dîners clandestins, hein, faut le souligner ça. Donc c'est là où on voit l'homme et le citoyen. Donc effectivement, choc des civilisations assez intéressant sur une certaine géopolitique à l'ancienne. C'est un petit peu
Les lignes ont un petit peu bougé, mais on y apprend toujours beaucoup de choses, de toutes les façons, quel que soit le livre, même s'il est ancien. Vous allez voir effectivement comment Huntington considère les rapports de l'Occident avec l'islam, ce dont on a parlé aujourd'hui, ce dont on a parlé aujourd'hui. Et je crois que plus que le livre, c'était la thématique qui était importante, je crois. Je pense que cette thématique, elle devait être abordée parce que moi, je ne veux pas de choc des cultures, ni de guerre civile, ni de guérilla entre des gens qui seraient opposés sur le plan, entre guillemets, de la civilisation, sous prétexte qu'un tel serait musulman, il serait à l'origine du déclin de la France. Non, ça ne marche pas. Ce qui est à l'origine du déclin de la France, c'est la République. Voilà. Et ça, c'est pas musulman. Voilà, bah, très belle conclusion. Si tu veux, Maximus, on va terminer là parce qu'on est à 2 heures. Absolument. Les amis, les ampoules, ben bien sûr, elles sont toujours allumées, donc éteignez-les pour faire des économies d'électricité. Oui, Elisabeth Lévy et sa bouteille. Je ne sais pas ce qu'elle boit, Elisabeth, mais je Elle pense est que ça devenue doit. une clown, ça y est, elle a Ça perdu toute crédibilité. doit être pas mal quand même en bouche. Sur ce, les amis, je vais vous souhaiter évidemment une bonne journée. Ne perdez pas espoir, hein. Soyez des hommes en vérité, des bons combattants, combattants intellectuels, et même pourquoi pas physiquement, refaites de l'exercice, combattez la malbouffe, combattez la discorde, soyez dans la paix, soyez dans la joie. Tous ces comportements vont avoir une incidence dans notre environnement et je pense que c'est important d'avoir la foi. Et moi, contrairement à Lou, je pense que les manifs sont intéressants sur le plan énergétique. Pas toutes les manifs, évidemment, parce que vous avez des manifs où on dit n'importe quoi et ça finit en castagne, en nassage et en gazage. Vous savez, hein? Par contre, il y a des manifs avec des gens qui sont plus centré sur la réalité des problèmes, et on est moins nombreux, et croyez-moi, du dégât, on en fait quand même. Parfois, on peut être tout petit. Vous savez, les piments les plus petits, ce sont souvent ceux qui ont le plus de. Ah, c'est ceux qui vous empêchent de terminer l'assiette. Par contre, parfois, vous avez des grands piments, ils sont grands, vous les coupez, et ça n'a pas de goût. Donc, attention aux petits qui bougent. N'ayez pas peur, l'avenir nous appartient parce que nous appartenons au monde des vivants. Ceux qui sont dans le transhumanisme, ceux qui portent les masques, ceux qui vont dans les vaccinodromes sont déjà des morts en sursis. Et moi, je n'appartiens pas à cette catégorie-là. Je ne suis pas encore au cimetière. J'ai encore le cœur qui bat et tant que j'ai encore un souffle de vie, je me battrai. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci Maximus. On se retrouve à la semaine prochaine alors pour un autre conseil de lecture qui sera certainement en lien aussi avec ce qui se passe dans l'actualité. Bon, moi je vous dis, vous l'avez vu, hein, aujourd'hui j'étais remonté. La raison pour laquelle j'étais remonté, je vous l'ai montré en début de direct, mais je vais vous la remontrer maintenant. C'est le vaccin AstraZeneca contre une décharge. Voilà, carrément, on demande aux gens de se faire vacciner puis de signer une décharge, c'est-à-dire derrière la personne, elle peut clairement décéder 2 minutes après. Voilà, il a signé une décharge, c'est tant pis pour lui, quoi. Donc ils reconnaissent déjà à travers ça, ils n'arrêtent pas de nous dire les vaccins sont sûrs, les vaccins sont sûrs. Si les vaccins sont sûrs, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de signer une décharge? Donc voilà, avec Maximus aujourd'hui, ça a pris la forme d'un débat et c'est très bien. Je pense que ça a été une très bonne chose. Parce que pas à travers le débat, justement, on peut faire émerger des idées. Donc, évidemment qu'on ne baisse pas les bras, évidemment que ça continue. Vous l'avez vu tout à l'heure dans le chat, j'ai 42 ans dans 2 jours, donc c'est jeudi. Donc, je vous ferai peut-être vraiment un petit direct rapide jeudi pour qu'on passe ce moment ensemble. Mais sinon, après, on se retrouvera vendredi pour les enquêtes de Marilyn cette semaine. Voilà, Maximus. Et vive le roi de France et vive le Christ. Voilà, les derniers mots de Maximus. Donc, comme je vous l'ai dit, nous, on se retrouve jeudi, certainement, rapidement, et vendredi pour les
les enquêtes de Marilyn, pardon. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir par le biais de Tipeee et de PayPal. Il y a les onglets dans le descriptif. Je ne sais pas si je vais laisser ce direct sur YouTube parce que je pense qu'il y a une possibilité de strike. Donc non, je pense que je vais le retirer de YouTube et les directs. Vous pouvez les retrouver sur des lives pendant 3 jours, toujours, j'ai pas réussi à régler le problème, et sur Odyssée directement derrière. Là, la chaîne Odyssée est à jour, donc tous les directs que vous avez pu rater, qui ne sont pas passés ces 15 derniers jours sur YouTube, vous pouvez déjà d'ores et déjà les trouver en version complète sur Odyssée. Voilà. Et bientôt aussi les directs seront diffusés aussi directement sur la web radio en même temps aussi. Pour ceux qui ne peuvent pas aller suivre sur des lives, comme ça, ils pourront au moins écouter sur la web radio. Qu'est-ce que je veux dire? Tu disais que tu n'allais pas laisser ce conseil de lecture sur YouTube, c'est ça? Ouais, parce que je pense que moi, tu sais, ils m'ont dans le viseur, quoi. Dès que je bouge une oreille, ils me strike de tous les côtés. Et puis, j'ai bien l'intention de continuer à utiliser la plateforme pour pouvoir abattre le maximum de monde possible vers les autres plateformes comme des lives et Odyssey. Donc, je ne vais pas les laisser me striker à nouveau. Mais comme je le disais, là, ce direct, vous pouvez le retrouver sur Odyssée et sur des lives d'ores et déjà, dès maintenant, là, à la fin du direct, vous pouvez le retrouver sur des lives dans l'onglet replay. Ça marche, merci à tous, merci le chat, merci à toi Lou. Bon, là, ton anniversaire, je te le souhaiterai le jour J. Ça marche. Respirer, c'est vivre. Vous déplacer, c'est aussi vivre. Et ne pas tomber dans le pessimisme, c'est aussi vivre. Donc, tout ce qui vous fait vivre, prenez-le. Nous sommes des vivants, ils sont déjà morts. Point à la ligne. C'est tout ce que j'ai à dire. Et que Dieu vous garde tous. Je m'en vais, je vous quitte. Et prenez soin des enfants. Merci à vous, les amis. Ciao. Ouais, on le voit. En plus, les enfants, ça arrive, hein, avec la Pfizer qui demande de pouvoir passer la vaccination aux 12-15 ans. Hein, on le voit, le projet, leur programme de vaccination, qui n'est pas obligatoire, nous dit-on, continue d'avancer. Allez, je vous fais un gros bisou à tous et puis on se retrouve très bientôt. Et puis prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, évidemment. Et moi, je vais aller respirer un peu. Je vais essayer de mettre mon pessimisme de côté. Je vais passer un peu de temps avec mes animaux. Ça va me faire du bien aussi. Et puis, on se retrouve la prochaine fois. Je vous promets que je serai un petit peu moins en colère. C'est que là, cette info, je l'ai vraiment appris juste avant le direct et que j'ai pas eu le temps. J'ai pas réussi à redescendre entre-temps. Allez, gros bisous à tous et on se retrouve très bientôt. Ciao, bonne journée. Alors oui, désolé, petite correction. En effet, c'est jeudi, c'est pas vendredi, c'est jeudi les enquêtes de Marilyn, pardon. Et donc je serai là jeudi, ça tombe jeudi. Donc c'est très bien. Allez, gros bisous à tous et à jeudi. Ciao. Au revoir, Shoshana!